Pardon, la séance reprend. Chers collègues, après les auditions de ce matin, nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi notre ancien collègue député de Paris, Boon Tan, non seulement ancien député, mais aussi ancien conseiller de Paris et chef d'entreprise. Je vous remercie, chers collègues, d'avoir accepté notre invitation, d'être présent pour répondre à nos questions qui seront nombreuses sur les sujets qui intéressent cette commission. Comme vous le savez sans doute, depuis maintenant plusieurs semaines, notre commission d'enquête parlementaire travaille sur les possibles ingérences étrangères dans la vie politique civile, économique, médiatique de notre pays, aussi bien les hommes politiques, dirigeants politiques, les relais d'opinion ou les agents publics. Les auditions que nous avons menées ont confirmé l'importance d'une certaine zone grise entre l'ingérence, entre l'influence, et cette zone grise est et reste un terrain d'action de plus en plus prisé par les grandes puissances qui essaient de faire avancer leur agenda. La question est de savoir si ces tentatives se font dans un cadre légal et respectent évidemment les intérêts de notre pays et l'intégrité de chaque des membres qui composent nos institutions. Si cette commission d'enquête a souhaité vous entendre, c'est que plusieurs articles de presse, mais aussi un rapport, lui-même d'ailleurs étranger, fait état ou vous accuse, vous définirez vous-même ce que vous en pensez, d'accusations ou de soupçons d'influence ou d'ingérence de la puissance chinoise, du régime chinois ou de ses différents défenseurs des intérêts du régime chinois en Chine, dans les relations franco-chinoises, dans le milieu économique, dans le milieu politique, dans le milieu diplomatique, académique, un certain nombre, bref, tous les différents secteurs qui peuvent intéresser la Chine en France. Et il est vrai, la Chine a été désignée par les différents experts que nous avons auditionnés, mais aussi par les services de renseignement, les institutions garantes en France de la défense de nos intérêts. La Chine a été identifiée comme un acteur à la fois particulièrement actif, mais aussi, il faut le dire, particulièrement hostile à certains des intérêts français ou des valeurs que nous pouvons défendre collectivement. Évidemment, chers collègues, vous le savez, notre commission d'enquête parlementaire ne se substitue pas à la justice. Nous ne sommes pas un organe judiciaire. Il ne nous appartient pas de prononcer sur telle ou telle accusation dont vous êtes l'objet ou dont vous avez pu faire l'objet. Il s'agit juste de comprendre une situation, comprendre votre point de vue, de comprendre aussi, selon vous, quels sont les systèmes d'influence et d'ingérence de la Chine ou d'autres puissances que vous avez eu à connaître, d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas limité à la puissance chinoise, vous n'êtes pas affilié d'autorité à la puissance chinoise, que vous avez pu à connaître dans votre carrière, aussi de connaître aussi en tant qu'entrepreneur, enfant d'entrepreneur à succès, mais aussi vous-même entrepreneur à succès, les relations effectivement que peuvent construire la Chine en France, au-delà de la question de l'ingérence, et de vous-même, si vous percevez une différence entre l'ingérence et l'influence. Je tiens aussi à le dire pour la compréhension de ceux qui nous écoutent, que vous êtes vous-même réfugié en France, vous êtes naturalisé français, vous avez évidemment la nationalité française, mais vous et votre famille avez fui un régime autoritaire, à savoir le régime des Khmers rouges au Cambodge. Vous avez témoigné dans la presse que vous avez été vous-même victime de formes de répression et de formes de persécution en tant que Cambodgien dans votre enfance avec votre famille, que vous avez été réfugié en France, vous avez brillamment réussi vos études en France, vous avez entamé une carrière et réussi une carrière qui vous a amené jusqu'au Parlement, je tiens à le dire, pour la parfaite compréhension de ceux qui vont entendre votre témoignage, qui n'auront peut-être pas eu accès aux ressources dont j'ai moi-même accès. Je le dis aussi, puisque dans les soupçons, et auxquels sans doute vous aborderez dans votre propos, dans les soupçons d'ingérence que vous avez eu à connaître, il y a eu la question de la reconnaissance du génocide des Ouïghours. Vous aviez été le seul parlementaire de la majorité à ne pas voter cette résolution. Et vous avez à l'époque donc répondu sur des éléments que j'évoquais. C'est pour ça, pour la parfaite compréhension de tous, que je me suis permis de rappeler ces éléments objectifs qui appartiennent à votre vie, qui ne sont pas, qui sont des éléments que tout le monde peut constater et qui ne sont pas à remettre en cause. Aussi, pour la parfaite compréhension de votre témoignage, vous avez été, comme parlementaire, président du groupe d'amitié entre la France et la Chine.
groupe d'amitié qui a connu un certain nombre de changements ces dernières années, ceci en tant qu'ancien président de ce groupe d'amitié, qu'on voudrait avoir votre témoignage sur les opérations que vous avez menées en tant que président de ce groupe, mais aussi votre opinion, votre analyse du fonctionnement de ce type de groupe, en particulier avec des régimes autoritaires ou des dictatures, et des régimes aussi qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que d'autres pays, par exemple nos partenaires européens. Cette audition, chers collègues, je le précise, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Elle est ouverte à la presse. Son enregistrement sera ensuite consultable et disponible à la demande. Vous aurez d'abord la parole pour une intervention liminaire d'une quinzaine de minutes, dans laquelle vous présenterez votre réaction à cette convocation, votre analyse de ce pourquoi vous êtes devant nous, et aussi vos avis sur les questions qui sont soulevées à votre propos dans la presse. Je vous rappelle aussi qu'au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par notre commission d'enquête doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, je vous invite à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, écoutez, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. Je pense que c'est important. Je ne prends pas souvent la parole, ni dans les médias, ni pour m'étaler dans la presse. Donc, je pense que c'est important. En tout cas, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions pour essayer justement d'éclairer un petit peu la vision, parfois biaisée, parfois étriquée, qu'on peut avoir. Merci également d'avoir rappelé un petit peu, parce que mon passé en tout cas, et si vous permettez, je vais prendre quelques minutes. Je ne vais pas prendre trop de temps, parce que je vais prendre du temps plutôt pour vous répondre à vos questions, à vos interrogations. En effet, donc moi, je suis né au Cambodge en 1967, de parents également nés au Cambodge. Et puis, malheureusement, nous avons dû fuir le Cambodge suite à la période des Khmers Rouges, où il y a eu, comme vous le savez, un génocide qui a massacré quelques millions de personnes. Nous avons été très chanceux, puisque nous avons fui, nous avons connu les travaux forcés, etc. Mais nous avons été sauvés, en fait, par un pêcheur vietnamien qui est venu nous chercher et qui nous a emmenés ensuite au Vietnam. Donc, à l'époque, j'avais 8 ans. Et malgré ça, j'ai eu droit aux travaux forcés. Je sais ce que c'est que la faim. Quand on négociait avec mon grand-père à l'époque, tous les jours, pour savoir si on pouvait avancer un peu l'heure du repas, ça fait sourire, mais c'est vrai que ça, c'est des choses au fait, qu'on n'oublie pas. Ensuite, nous avons donc fui le Cambodge en marchant à travers les forêts, et ensuite en prenant un bateau, grâce à ce pêcheur qui nous a sauvés. Nous sommes arrivés au Vietnam, et ensuite, c'est depuis le Vietnam que mon père a fait la demande, en faisant la queue nuit et jour devant l'ambassade de France. Et nous avons été très, très chanceux, puisque nous avons été parmi ceux tirés au sort, ou je ne sais pas comment ça a été fait, en tout cas. Un jour, mon père a sauté de joie parce que nos noms ont été affichés devant l'ambassade de France. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé en France, en 1975. Donc, comme vous l'aviez dit, en tant que réfugié apatride, à l'époque, à l'âge de 8 ans, ne parlant pas un mot de français. Et là, j'aimerais souligner quand même un fait. On critique beaucoup les institutions, la France qui ne fonctionne pas, etc. Moi, je constate que la France est un rare, peut-être le seul pays, qui permet à un enfant qui ne parle pas un mot quand il est arrivé, un réfugié apatride dans son patrie, de pouvoir faire sa vie, apprendre, faire des études, se développer, et puis arriver quand même à être député de la nation et représenter donc mes compatriotes français. Donc je trouve ça, pour ceux qui critiquent toujours, qui disent que rien ne fonctionne et que l'ascenseur social ne fonctionne pas, je pense que, en tout cas, je suis un exemple de ce qui fonctionne. J'ai fait toute ma scolarité à l'école de la République, y compris à la faculté à la Sorbonne. Et en effet, donc, je fais partie d'une famille de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, puisque mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient déjà entrepreneurs. Et vous l'avez peut-être lu, nous sommes dans le métier du thé, et je suis la quatrième génération, en fait, dans la famille à faire du thé. Voilà.
Donc c'est une tradition, voilà. Je ne sais pas si ça va durer, si mes enfants reprendront, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu quelque chose qui est dans l'ADN de la famille. Vous avez été gentil de dire qu'on était comme des entrepreneurs à succès, mais je ne pense pas pouvoir dire que nous sommes, comme dire, nous faisons partie des entrepreneurs à succès, mais en tout cas, j'ai vu mes parents travailler dur tous les jours, sans repos, sans vacances, sans rien, pour pouvoir ensuite repartir de zéro en France. Et là, je le dis, je le pense et je le dis, on ne le dit pas assez souvent, je pense, moi, mes parents, toute la famille, nous sommes énormément reconnaissants à la France, parce que ben, sans la France, nous ne serions pas là aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous. Et puis surtout, nous ne serions peut-être même pas vivants. Donc voilà. Je pense que c'est quelque chose, voilà, quand les choses vont mieux, on l'oublie, mais c'est des choses qu'on ne souhaite pas oublier. Ensuite, vous faites allusion, ça vous avez rappelé les différents articles, etc., qui sont parus, en effet. Alors, je rappelle que c'était peut-être le fait du hasard, mais dans une période qui était concomitante avec une campagne législative. Beaucoup de gens, je pense, étaient soit mal informés, soit mal intentionnés. Vous verrez, enfin, on pourra en discuter tout à l'heure. Beaucoup de faits, quand même, ne sont pas tout à fait vrais, et d'autres totalement fausses. D'autres volontairement, je pense, déformés. Voilà. En tout cas, globalement, je pense qu'on a essayé de me cornériser, de donner, en tout cas, l'apparence que je suis un Chinois né en Chine, envoyé par la Chine, etc. Et vous l'avez rappelé vous-même, Monsieur le Président, je n'ai jamais vécu en Chine, je ne suis pas né en Chine, je suis parti du Cambodge et j'ai fait toute ma vie en France. Voilà. Donc je pense que ça permet de mieux comprendre un petit peu aussi les échanges que nous allons avoir. Et puis je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Écoutez, ma première question sera justement dans le prolongement de ce que vous venez d'expliquer. Vous avez effectivement rappelé que vous n'avez pas de lien particulier en fait avec la Chine et encore moins le régime chinois, en dehors des origines anciennes de vos ascendants. Mais inversement, est-ce que vous pouvez nous expliquer aux membres de cette commission pourquoi vous estimez inversement avoir une connaissance de la Chine, du régime chinois et de ses élites, qui vous permet de faciliter les contacts. Peut-être là, vous pouvez nous expliquer aussi votre rôle dans le cadre du groupe d'amitié, puisque dans les articles, et là, je parle de, non pas de déclaration de journaliste, mais de déclaration in extenso, entre guillemets, dans plusieurs médias, vous vous réclamez d'une connaissance non seulement de la culture, de la civilisation chinoise, mais une connaissance quand même du régime. Et donc inversement, ce que je ne comprends pas dans votre raisonnement, c'est d'un côté de dire que vous n'avez pas de lien particulier avec la Chine actuelle et son régime, et une, paradoxalement, visiblement, une grande connaissance de ce même régime. Merci pour cette question. Ça me permettra de rappeler, peut-être d'apporter en tout cas une précision sur mes origines. En fait, quand je dis que je suis d'origine chinoise, je suis d'origine Tietiu. Donc Tietiu, c'est en fait un coin qui est dans le sud-est de la province de Canton. Il y a en fait un coin avec des gens, une langue. Le Tietiu, c'est un dialecte qui est parlé comme par pas mal de Chinois. Et historiquement, en fait, ce sont des gens qui sont très commerçants. Et au début des années 1900, parce qu'il y avait des conditions de survie assez difficiles, parce qu'il y avait la famine, etc. En fait, beaucoup de gens de cette région, pour survivre, ont fui bah, par bateau, en marchant, etc. Et du coup, se sont installés un petit peu partout dans le sud-est de la Chine, au Vietnam, au Cambodge, à Singapour, à Hong Kong, etc. Voilà, dans toute cette région-là. Ce qui fait qu'en fait, ma langue maternelle, c'était le Tietiu. Et en fait, le mandarin, par exemple, je l'ai appris en France. Et je l'ai appris, en fait, avec ce qu'il y avait, parce qu'il n'y avait pas une vraie filière pour l'apprentissage du mandarin. J'ai appris un petit peu au lycée. Et puis ensuite, j'étais à l'INALCO. J'ai fait qu'un an, parce qu'après, je n'ai plus suivi les cours.
Et donc aujourd'hui, je parle en effet le chinois, donc je parle le dialecte, ma langue maternelle qui est le tietiu. J'ai appris également dans le travail avec les cuisiniers, etc., le cantonais, pardon, et puis le mandarin également dans le travail. Donc, ça me permet en fait de pouvoir converser, mais aujourd'hui, je ne lis pas, je n'écris pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'enseignement des Chinois n'était pas développé en France. Et c'est pour ça que je me suis également évertué quand j'étais élu du 13e dans les années 2008-2009 à contribuer à mettre en place une filière en fait, d'enseignement du chinois pour les enfants, parce que je suis persuadé que nos enfants, aujourd'hui en France, ne vont pas faire la différence en maîtrisant l'anglais, parce que tout le monde parle anglais, mais le mandarin sera un outil important. Donc voilà, pour vous comprendre un peu mieux, en fait, quand on dit Chine, il y a beaucoup de régions différentes. Et mes parents, en fait, sont déjà nés, comme je l'ai dit, en Cambodge. Et ce sont mes grands-parents qui ont émigré de Chine au Cambodge. Donc, mes deux parents, mon père et ma mère, sont nés au Cambodge. Et moi et mes soeurs, nous sommes également nés au Cambodge. Alors, pour vous répondre ensuite sur la partie connaissance de la Chine. En effet, parce que pour avoir commercé pendant longtemps, pour avoir travaillé avec les associations, etc., on a été évidemment en contact avec des gens en Chine, mais pas que en Chine. Beaucoup, en fait, étaient, quand vous parlez, par exemple, du 13e, qui est aujourd'hui, je vous rappelle, le principal, le plus grand Chinatown d'Europe. Dans la circonscription qui était la mienne, nous avons le Chinatown qui est le plus grand d'Europe. Et on appelle le Chinatown. Et en fait, moi, je l'appelle surtout le quartier asiatique parce que si vous creusez un petit peu, ce sont des gens qui sont venus du Cambodge, du Vietnam, du Laos, de Thaïlande. Beaucoup de ces gens-là, en fait, ne viennent pas de Chine, très peu de Chine. Ceux qui sont venus de Chine continentale, c'est une période un peu plus tard. Donc après cette période 75, 85, 90, ils sont arrivés après et ce sont plutôt des gens qui sont installés à Belleville, à Aubervilliers, vous voyez, ou à Rue du Temple, dans ces coins-là plutôt. Et donc, je disais que ce quartier asiatique, vous avez beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de pays d'Indochine. Mais si on creuse encore un peu plus profondément, on s'aperçoit que souvent, ce sont des Cambodgiens, des Laotiens, des Thaïlandais d'origine chinoise, un peu comme moi. C'est-à-dire que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents étaient chinois. Voilà. Donc, nous avons partagé un peu cette culture. Et c'est comme ça, en fait, que se sont également créées des associations locales. La Mekal et Tétiou, dont je suis président d'honneur, a été créé comme ça, qui regroupait en fait tous les Tétiou qui viennent du Cambodge, du Laos, du Vietnam, etc., parce qu'ils parlaient le même dialecte, ils partageaient un peu la même culture. Voilà. Vous avez ensuite d'autres associations, et souvent c'est géographique, ça regroupe les gens un peu de la même province, ou parfois quand ce sont des gens où il y a beaucoup de gens originaires de cette région, il y a même des associations par ville. Voilà. Donc, pour avoir pas mal, en fait, travailler avec ces associations, etc. Et j'étais amené très tôt, justement, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Mais je dirais que c'est une connaissance que j'ai, par exemple, aussi, sur d'autres choses, sur la grande distribution en France. Pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé à la grande distribution. Donc, je dirais que je pense que ma connaissance est plus fine de tout système de distribution en France que de la Chine. Mais c'est des sujets que je connais parce que j'ai travaillé dessus, parce que je me suis intéressé, parce que j'ai creusé. Si vous parlez de proximité, je dirais que naturellement, je serais plus proche du Cambodge, où j'ai quand même passé 8 ans de ma vie, où je suis né. Mais les enjeux au Cambodge ne sont pas de la taille des enjeux de la Chine. Et pardon, on en parle très peu, mais j'ai fait une mission également parlementaire au Cambodge pour essayer de travailler sur le monitoring qui devait être lancé par l'Europe sur les accords TSA, tout sauf les armes, à l'époque. Vous voyez, donc, ça aussi, ça, j'ai pu, en fait, essayer d'améliorer les choses parce que je connaissais les gens, parce que je savais comment ils fonctionnaient, parce que je savais que 70%, par exemple, des ministres là-bas parlaient français, ils avaient une culture française. Et donc, je comprenais, en fait, quel mot il fallait utiliser, quel langage il fallait parler pour qu'ils comprennent. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que la perception qu'ont les gens depuis un moment maintenant, surtout au travers des médias,
et que je suis uniquement lié à la Chine. Mais non, c'est pas le cas. Merci pour votre réponse. J'ai bien noté tout ce que vous venez d'expliquer, les nuances, très, c'est pas des nuances d'ailleurs, c'est des éléments très importants que vous apportez, qui expliquent le parcours de votre famille, les milieux, les différents milieux dans lesquels vous avez grandi et évolué, ou travaillé par la suite, notamment à la grande distribution. Mais permettez-moi quand même de reposer ma question. Tous les éléments que vous venez de me décrire, mais je les entends, notamment une très bonne description, et au contraire, ça fait du bien de l'entendre, parce qu'on entend beaucoup de caricatures sur les communautés d'origine asiatique qui existent dans notre pays. Effectivement, la réalité que vous décrivez est beaucoup plus proche de ce que moi je crois connaître que de ce que vous pouvez entendre, effectivement, au Chinatown, avec des simplifications qui sont faites dans un commentaire global sur ce qui serait asiatique et au final chinois et qui ne l'est pas du tout, et au sein même de la diversité de ce que constitue la Chine, ses différentes minorités et les différentes ethnies qui ont composé durant toute son histoire sa civilisation et qui continuent à le faire. Mais je ne comprends quand même, si je peux me permettre, en tant que spécialiste, toujours pas vraiment votre point d'accès à ce qu'est le régime chinois aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y ait des diasporas de diasporas. Je l'entends parfaitement. L'histoire des diasporas, et des diasporas en particulier, des diasporas de minorités au sein de ce qu'était l'Empire chinois avant son effondrement, puis sa dispersion dans le sous-continent indo-chinois. Tout ça, je le comprends parfaitement. Le fait que vous ayez une connaissance de cette communauté et des communautés sœurs, on va dire, proches, qui ont connu des parcours semblables, je le comprends parfaitement. Mais le fait après, à partir de cette double culture, cette double connaissance du régime chinois tel qu'il est depuis, on va dire, au moins après la Seconde Guerre mondiale, pour aller vite, son évolution, non seulement, bon, il y a une évolution ethnique aussi du régime chinois, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais qui est donc très différente, si j'ai bien compris, de votre histoire familiale et personnelle, donc aussi bien de ce qu'est le régime chinois actuel par rapport à votre... à contrario de votre propre histoire, et aussi de l'identité politique de ce régime, qui est donc, je ne sais pas si votre famille, d'ailleurs c'est parce que votre famille avait une identité politique, c'est forcément la vôtre, mais en tout cas le régime communiste maoïste chinois semble très éloigné de votre histoire personnelle. Donc j'ai très bien compris, c'était par ailleurs à titre personnel, j'ai trouvé ça très intéressant, la description que vous avez faite de votre histoire, mais j'ai toujours pas compris votre point d'entrée, ou comment vous connaissez, en dehors de votre métier, au sujet de vos parents, comment vous pouvez aussi bien prétendre aussi bien connaître le régime chinois, en tout cas à telle proportion que vous pouvez faciliter les relations entre notre pays et le régime chinois. Alors, soit j'ai pas bien compris votre question, mais ça y est, je comprends mieux. Mais en fait, je pense que votre questionnement vient du fait que vous êtes persuadé que j'ai des entrées particulières avec le régime chinois, ce qui n'est pas le cas. Donc, je ne comprenais pas votre question, mais en fait, voilà. Oui, pour préciser ma question, moi, je partais du principe, effectivement, que vous aviez une connaissance particulière ou une entrée particulière dans le régime chinois qui vous permettait de faciliter le dialogue, puisque notamment, je ne l'ai pas appris par cœur, hein, pardonnez-moi, mais je me souviens d'une citation, entre guillemets, de vos propos, alors vous pouvez les infirmer s'ils ne sont pas exacts, mais qui expliquait que les difficultés qu'il pouvait y avoir entre difficultés diplomatiques, culturelles, économiques, qu'il pouvait y avoir entre le régime chinois et la France étaient liées à une incompréhension mutuelle, et que vous pouviez aider à résoudre cette incompréhension. J'ai déduit, il est vrai, que si vous pouviez résoudre cette incompréhension, c'est que vous aviez vous-même une compréhension particulière du régime chinois, et par rapport à votre parcours de vie, je ne vois pas en quoi vous avez cette compréhension autre que les raccourcis qu'on pourrait faire, et qui sont les raccourcis que vous dénoncez. Merci d'avoir précisé la question, alors je comprends mieux maintenant. En fait, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le Cambodge. Pourquoi je pense pouvoir apporter un plus, je dirais, dans les relations, parce que je comprends en fait leurs pensées, leurs contraintes, leur vie, d'où ils viennent, etc. Et donc ça permet en fait d'utiliser les bons mots, la bonne approche pour leur parler. Je vais prendre un exemple qui n'a strictement rien à voir, mais qui m'est arrivé. Vous allez, à l'époque, ça remonte à longtemps, hein, au musée du Louvre, vous avez donc des groupes de touristes chinois qui viennent et on leur raconte, comme on raconte à tous les visiteurs,
Par exemple, tel tableau venant de tel peintre à telle époque, la période bleue, etc. Il venait de perdre, je sais pas, un membre de sa famille. Etc. Et donc, il a peint ça. Ça n'intéresse pas les Chinois. En revanche, vous lui dites au touriste chinois de base qui vient, dites, ah ben, ce tableau-là, le même peintre, il a vendu un tableau à 20 millions de dollars. Ah, ça les intéresse, ils prennent des photos. Parce qu'en fait, quand on parle de la période bleue de tel peintre, etc., nous faisons référence à toute une histoire que ces touristes n'ont pas. Donc pour eux, c'est totalement... c'est un autre langage. Ils ne comprennent pas. Donc si vous utilisez des repères qui leur parlent à eux, ou si vous leur dites, par exemple, ce peintre-là, il a vécu, en fait, à la même période que tel empereur de tel truc, là, ils comprennent. Donc en fait, si vous n'utilisez pas le bon mot, le bon vocabulaire à la personne qui est en face de vous, ils ne comprennent pas. Donc, et je dis ça pourquoi ? Parce que, par exemple, dans les affaires, pour les Chinois, par exemple, quand vous traitez une affaire en France, vous passez beaucoup de temps avec des juristes pour préparer un contrat, et une fois qu'il est signé, il est entériné, c'est bon. Pour un Chinois, alors je dis pour un Chinois, dans la grande majorité des Chinois, parce que vous avez également des gens qui sont formés à l'étranger, qui raisonnent autrement, mais pour un Chinois, le contrat, c'est le début d'une collaboration. Il vous signe un contrat, 6 mois après, l'environnement économique change, il renégocie le contrat. Et pour lui, c'est normal. Et pour nous, nous disons, mais c'est pas possible, il ne tient pas sa parole, il a signé un papier, il remet en cause. Inversement, quand vous allez négocier un contrat avec un Chinois, et que vous arrivez avec vos avocats, nous, notre pratique, c'est ça. On prépare des textes, etc. On fait viser par les avocats pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et une fois qu'on les signe, on est bordé. Eux, ils vous voient avec un avocat, ils se disent, on n'a pas encore commencé à travailler ensemble et vous voulez me faire un procès déjà. On dit, on ne travaille pas. Donc, ce sont des approches différentes. Et c'est pour ça que je dis que, dans beaucoup de cas, pas tous, mais dans beaucoup de cas, en fait, les problèmes viennent d'une incompréhension, d'un décalage de culture. Et c'est pour ça aussi que j'avais souligné... par le passé, que nous avons une richesse en France qui sont en fait les gens issus des diasporas. Et c'est vrai pour tous les pays. Il faut s'en servir. Ces gens-là comprennent, ont leur culture, ont accès et surtout comprennent comme dire, le mode de raisonnement. C'est comme si vous demandiez, je ne sais pas moi, à un Chinois de faire du marketing en France, ou inversement, à un Français de faire du marketing en Chine. Mais ça ne marche pas. Parce qu'il va faire du marketing, des messages publicitaires, avec des références à des choses que les gens n'ont pas. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup de soucis, je pense, viennent d'un décalage entre les deux. Et c'est sur ces sujets-là qu'il faut qu'on travaille. Je vous remercie. Avant de laisser la parole à Madame la rapporteure, je voudrais revenir sur une question que je vous ai posée 2 ou 3 fois, à laquelle vous n'avez pas répondu, mais il y avait plusieurs questions, donc ce n'est pas une critique. Mais je la rappelle. Vous étiez donc président du groupe d'amitié entre la France et la Chine. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre conception de ce rôle, en général, de ce que vous avez fait de votre bilan? Est-ce que vous estimez, aussi à la lecture de ces 5 ans et des polémiques que vous avez pu connaître, est-ce que vous avez fait des erreurs, peut-être, que vous reconnaissez, des choses que vous feriez différemment, ou est-ce que vous estimez que non? Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Sur ces 5 ans de groupe d'amitié, votre analyse, votre bilan, ce qui nous permettra, je pense, de solliciter d'autres questions. Oui, pardon, je n'ai pas répondu à cette partie-là. Alors, en tant que président du groupe d'amitié France-Chine, pendant 5 ans, j'ai essayé de développer le maximum, en fait, des activités au niveau de l'association du groupe d'amitié. J'ai essayé d'abord... que ce soit intéressant, c'est-à-dire que les sujets traités parlent aux collègues députés. On a essayé, par exemple, à chaque fois, quand on faisait par exemple, des rencontres, que ce soit des thèmes qui parlent aux gens, qui intéressent les gens. On a ensuite la chance, dans le groupe d'amitié France-Chine, d'avoir ce qu'on appelle une grande commission. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6 ou 7, vous savez mieux que moi, je crois. Combien ? 3 seulement ? Ah oui, donc voilà, il y a encore moins que moi que je ne pensais. Il y a 3 groupes d'amitié qui ont ce qu'on appelle une grande commission, et c'est-à-dire qu'il y a un échange régulier chaque année avec les parlements de l'autre pays. Et donc, une année sur deux, soit on reçoit un groupe de parlementaires chinois, soit nous allons en délégation parlementaire en Chine. Et nous travaillons avec nos amis chinois, en fait, pour essayer de mettre en place un thème ou deux qui sont, en fait, les thèmes
traités pendant cette commission, cette grande commission. D'accord ? Cette grande commission est présidée, je pense que c'est dans les statuts, hein, par les présidents des assemblées. D'accord ? Donc c'était M. Ferrand, M. de Rugy, M. de Ferrand ensuite, qui présidait cette commission. Dans la pratique, le président Ferrand avait donc lancé les discussions, et ensuite moi j'avais poursuivi derrière pour un petit peu piloter en fait les échanges. Voilà. Donc ça c'était un des éléments importants du groupe d'amitié. Nous avons également organisé, et j'ai demandé à chaque fois qu'on avait par exemple un déplacement en Chine, en plus de Pékin qui était un petit peu le passage obligé, que en fait la délégation puisse aller voir d'une autre province. Donc et si possible une province très différente des grandes villes côtières qui sont Shanghai, Canton, etc. Parce que mon idée était d'avoir une vision pas uniquement celle qu'on a au travers des reportages télé, etc. Parce que souvent en France, en Europe en général, on ne parle que des grandes villes côtières. Et moi, pour avoir la chance d'avoir crapahuté pas mal dans les régions pour le thé, justement. Je trouvais que c'est très intéressant, par exemple, d'aller voir les paysans, la campagne, des villes beaucoup moins riches, mais culturellement très riches. Et donc, voilà, c'est un peu le sujet. Chaque fois, j'essaie, parce qu'en fait, c'est préparé, évidemment, avec nos amis sur l'autre côté. On essaie de dessiner ensemble un parcours en essayant de traiter des thèmes. On avait, par exemple, des thèmes sur le tourisme. On avait... sur tout ce qui est climat, on avait, je ne sais plus combien de thèmes il y avait, enfin bon, chaque fois on essaie de trouver des thèmes qui intéressaient tout le monde. Est-ce que je réponds à votre question ? Vous avez répondu partiellement, mais vous savez, sur les critiques, parce qu'on vous a donc, dans le cadre de ce groupe, vous avez vu les mêmes articles que moi, j'imagine, vous avez sans doute d'ailleurs eu bien pire, qui n'a pas été publié. On vous a reproché d'avoir été trop complaisant, notamment avec les différents ambassadeurs de Chine en France, de l'avoir, entre guillemets, vous m'excuserez, mais pour faciliter la compréhension, servi la soupe, de ne pas forcément avoir évoqué les problèmes sur les droits humains, notamment aussi dans un rapport, alors ce n'était pas dans le cadre du groupe, mais c'est un autre travail parlementaire, d'un rapport avec Madame Bérangère Poletti, ancienne députée, je crois que c'est de l'Aube ou des Ardennes, je ne sais plus, des Ardennes, où elle-même dit, alors ça n'engage qu'elle, mais elle le dit quand même, elle tient à le dire, une fois plus entre guillemets, que si elle avait écrit seule, elle aurait beaucoup plus abordé la question des droits humains. Et donc sous-entendant que vous n'avez pas souhaité aborder plus que ça, c'est la question des droits humains. Donc c'est d'une manière générale, est-ce que vous estimez, comme président du groupe d'amitié, et c'est pour ça que est-ce que vous estimez, peut-être que vous avez fait une erreur de communication, erreur d'appréciation. Est-ce que vous estimez que ces reproches qui vous ont été faits sont compréhensibles, incompréhensibles, que vous referez des choses différemment, ou est-ce que vous ne les comprenez pas, est-ce que vous les dénoncez aujourd'hui ceux qui considèrent que à ce poste vous n'avez pas fait preuve d'un esprit critique d'un parlementaire de notre assemblée face à un régime, quoi qu'on en pense, qui n'est pas une démocratie, qui est une dictature communiste. Alors on peut après considérer qu'il faut avoir des liens de différentes natures avec, c'est pas le sujet de la commission, mais qui n'est pas un régime démocratique comme le seraient nos amis québécois, pour reprendre un autre pays avec lequel nous avons une grande commission. Alors, pour répondre plus précisément à ça, d'abord, je pense que... C'est peut-être une erreur de ne pas communiquer plus, mais en tout cas, ce n'est pas ma façon de faire. J'aime faire les choses, j'aime être dans le pragmatisme. Et nous avons fait pas mal de choses. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous dites que nous n'avons pas évoqué le problème des droits humains, ce n'est pas vrai. Ça a été évoqué, et ça a été évoqué y compris avec l'ambassadeur. Je me souviens d'un repas que nous avons partagé avec d'autres parlementaires, d'ailleurs. Tous les sujets ont été évoqués. Vous parliez tout à l'heure du rapport à la mission d'information que j'ai piloté avec Bérangère Poletti. Vous avez le rapport, regardez. Tous les sujets, sans exception, ont été évoqués, y compris le problème des droits humains, y compris un sujet d'ailleurs qui maintenant n'est plus à la mode, qui est un peu passé, dont on ne parle plus, qui est le Tibet.
Nous avons fait part aussi, lorsque j'ai discuté avec les responsables politiques de Hong Kong, de notre crainte à l'époque, de la nouvelle loi qu'ils allaient promulguer. Donc ça a été fait, sauf que je n'en fais pas un tapage médiatique. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, y compris quand nous allons à Pékin, on parle des soucis, des problèmes qui sont pas toujours faciles parce qu'on s'accroche dessus. On évoque tous les sujets. Le rapport, j'ai lu des critiques, en tout cas des papiers sur le rapport qui était pas assez cinglant ou autre, etc., que mes collègues ne partageaient pas. Je rappelle que le rapport était voté à l'unanimité, que tout le monde a salué la qualité du rapport. En effet, nous avons évidemment échangé, tout le monde n'était pas d'accord sur tout, et c'est normal. On a eu des débats là-dessus. Mais force est de constater que le rapport a été voté à l'unanimité. Après, certains auraient souhaité sans doute mettre plus l'accent sur les droits humains, mais il y a eu une part sur l'économique, sur la politique, sur les droits humains. Tous les sujets ont été traités et vous pouvez le vérifier par vous-même en parcourant le rapport. Je vous remercie, M. Tan. Madame la rapporteure, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Biontan, de répondre à nos questions et de vos premières réponses. Moi, je voulais vous interroger sur votre rôle au sein d'un certain nombre de structures associatives. Et je vais les citer et vous demander comment vous voyez à l'époque votre rôle au sein de ces structures en tant que député de la nation. Je reprends votre propre appellation, député de la nation française que vous avez été durant 5 ans, parce que vous apparaissez comme membre, même du conseil exécutif de deux associations, de deux organisations dont on ne peut pas ignorer qu'elles ont été créées et qu'elles ont des liens très étroits avec le Parti communiste chinois, avec le Parti communiste de la République populaire de Chine. Ces deux associations sont l'Association pour le dialogue des Chinois de l'étranger et l'Association pour l'amitié des Chinois de l'étranger. Deux associations qui font partie de ce qu'on appelle le bureau des Chinois de l'étranger, qui est dirigé par et qui est intégré au Parti communiste chinois, le Parti communiste de la République populaire de Chine, et donc qui est clairement dans l'orbite du pouvoir central chinois, et qui, ce bureau des Chinois de l'étranger, des Chinois de la diaspora, ne cache pas qu'il travaille, qu'il a pour mission de mener des opérations d'influence dans les pays situés à l'étranger et au sein de la société civile, de manière générale, des pays où la diaspora est présente. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a ensuite qualifié, c'est une appellation qui est reconnue par les milieux universitaires et académiques, le front uni. Hein. C'est comme ça que maintenant se qualifie à la fois ce département qui centralise beaucoup d'activités, beaucoup de pilotage d'associations et une stratégie très clairement orchestrée et publiée. D'ailleurs, hein, rien de tout cela n'est secret, on ne peut pas l'ignorer. Donc, voilà, comment voyez-vous à l'époque votre rôle en tant que député de la nation française, encore une fois, au sein de ces deux associations, et quel a été votre rôle au sein d'un groupe qui s'appelle Développement France-Chine, qui a été créé, je crois, l'un de vos beaux-frères, et qui est présenté par le think tank Synopsis, qui dépend de l'Université Charles de Prague, comme une organisation qui facilite le recrutement de profils étrangers et, je dirais, le transfert de technologies. Voilà, ça, c'était mes premières questions. Merci. Donc, je vais essayer de vous répondre assez clairement. En effet, vous citez donc, des articles ou des écrits qui font état du fait que je suis membre de cette association, membre du PCC, etc. Alors, je vais être très, très clair là-dessus. Je ne suis pas membre du PCC. Je n'ai pas payé une quelconque cotisation pour adhérer à une quelconque organisation dépendante du gouvernement chinois, des fonds du PCC, etc.
J'ai appris en fait que mon nom était apparemment sur des sites chinois avec le papier que vous citez. Et il est évident que je ne suis pas membre, et encore moins un membre dirigeant de ces organisations-là. Alors, une petite explication quand même. En fait, on essaye de faire croire, de me donner en fait des accointances avec des structures que je n'ai pas. Sachez par exemple que pour être membre du PCC, on n'adhère pas au PCC comme on adhère à un club de foot ou même à un parti français. C'est pas simple. C'est que, par exemple, quand vous êtes, je sais pas, jeune et que vous êtes à l'université, ils ne prennent que les meilleurs. Vous devez avoir un passé propre, vos parents devoir avoir un passé propre, ne pas avoir agi contre le PCC. Enfin, c'est vraiment beaucoup de critères. Et donc, évidemment, je ne peux pas, en aucune façon, être membre du PCC. Et je ne peux pas non plus être membre, encore moins exécutif, d'une de ces organisations. Ce n'est pas possible. Et je ne vois pas comment, matériellement, je pourrais le faire en ne lisant même pas le chinois. Enfin, bon. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'imaginer des choses qui n'existent pas. Je vous dis clairement, je ne suis pas membre exécutif, comme dit ce papier, de ces associations-là. Alors, après, dans le cadre de l'activité associative, nous sommes amenés, il y a des réunions, en fait, assez régulièrement. On se retrouve à Montréal, en Malaisie, à Singapour, en Chine, à Hong Kong, etc. Et donc, nous participons, ce sont des réunions assez importantes qui réunissent quelques centaines, voire quelques milliers de personnes qui sont en fait des ressortissants de différents pays, des 5 continents, d'origine chinoise, qui se retrouvent. Et si je vais, par exemple, à un événement organisé par l'association à Montréal qui organise donc cet événement-là, ça ne fait pas de moi un membre de cette association canadienne. Je veux dire, c'est... Donc, en effet, il y a pas mal d'événements auxquels je participe, et je dis bien au titre de l'Amicale des Tétiou, qui est une association dans le 13e, donc je suis président d'honneur. Donc, avant, j'y allais un peu plus souvent, quand j'étais député, j'y allais beaucoup moins souvent parce que je n'avais pas le temps. Donc, en fait, quand il y a un événement, soit il y a une délégation qui y va, soit quand on ne peut pas, en fait, c'est le président, c'est le vice-président, c'est le président d'honneur, voilà, quelqu'un y va, voilà. Je veux être clair là-dessus, je ne suis pas membre de ces organisations. Cédric, il y a un mot. Pardon ? Cédric, il y a un mot. Non, vas-y. Oui, excusez-moi, j'interromps quelques secondes, Madame la rapporteure, parce que je voudrais quand même la réponse que vous avez apportée suggère quand même moi un certain étonnement. Alors, moi, je ne suis pas celui où il y a le stress de l'audition. On ne maîtrise pas chaque mot qu'on prononce, je ne suis pas un inquisiteur. Mais je voudrais quand même revenir sur les mots que vous avez utilisés. Je voulais y revenir après, parce que j'ai quand même parcouru, pas aujourd'hui, mais avant le rapport avec Mme Pelletti. Comment vous qualifiez quand même le Parti communiste chinois ? C'est quand même plusieurs fois qu'il y a des mots bizarres qui sont utilisés, je voudrais quand même que vous exprimiez clairement sur la conception que vous avez du Parti communiste chinois. Vous avez dit... En l'occurrence, on ne rentre pas comme ça, comme on veut, dans le parti. Un, le parti ne recrute que les meilleurs. On peut aussi estimer que ce qu'eux qualifient les meilleurs sont des personnes sans aucune capacité critique, capables de reproduire un régime totalitaire sans trop poser de questions. Donc le fait de reconnaître qu'ils prennent le meilleur, ça n'engage que la définition de ce parti et de ceux qu'il représente. Et vous avez dit, par exemple, que l'historique des familles et scruté, et qu'il faut avoir un passé propre. On peut estimer qu'avoir été un résistant ou qu'être un opposant, c'est pas possible, moi j'estime, mais je pense qu'on est plusieurs ici à estimer, que de le fait de ne pas être, entre guillemets, propre par rapport à ce que pense le Parti communiste chinois est plutôt quelque chose d'honorable, plutôt que l'inverse, même si on peut respecter les sentiments patriotiques de n'importe quel peuple. Et quand je relis le rapport que vous avez, un des passages, mais comme vous avez mentionné ça, je suis allé retrouver un passage qui m'avait interpellé dans votre rapport, quand vous définissez le rôle que joue le Parti communiste chinois en Chine, à la page 18,
Je cite, je ne vais pas être trop long, parce que les liens entre le PCC et le tissu économique chinois, qui reste en priorité industrielle, sont l'une des manifestations de la centralité et de la présence du PCC dans la société chinoise. Comme cela a été également été rappelé en audition par Alice Ekman, le maillage géographique du parti dans la société civile est très dense et s'appuie, selon des données officielles chinoises, sur environ 4,6 millions de cellules implantées dans des secteurs variés. À aucun moment, vous n'utilisez de mots, pas hostiles, mais de mots qui définissent ce régime comme un régime totalitaire. Là, il y a même une petite note. La résolution finale du 19e congrès du PCC a rappelé que le parti, gouvernement, armée, école, virgule, le parti commande tout. Ce qui est la définition pour moi, je pense pour beaucoup de personnes, d'un régime totalitaire. Donc voilà. Donc dans les mots que vous utilisez, est-ce que vous considérez aujourd'hui, devant cette commission, que le Parti communiste chinois est un organe de contrôle totalitaire de la nation chinoise? Ça va être très simple. Oui, évidemment, sa définition même. Quand vous citez ce passage, moi je citais en fait Mme Ekman, qui étudie, qui est une spécialiste de tout ça. Moi, de ce que je sais, par exemple, et c'est public, hein, le PCC, je crois que c'est quelque chose comme 90 millions de membres et 4,6 millions d'entités locales, c'est-à-dire que dans les provinces, dans les villes, dans les arrondissements, enfin voilà. Donc c'est un maillage très dense, comme je l'ai dit dans le rapport. Après, le fait qu'il contrôle tout, qu'il soit présent partout, je parle du Parti communiste chinois, c'est le fonctionnement même de la Chine. Évidemment que ce n'est pas le choix que j'ai fait, puisque je vis en France. Pourquoi je suis venu en France? Parce que j'ai eu la chance d'avoir été accepté par la France. Mais pourquoi je suis resté en France? Parce que je partage ces idées. Je partage le mode de vie, le mode de pensée, etc. Je pourrais demain faire le choix d'aller ailleurs. Si je reste en France, c'est parce que je partage, j'ai choisi de vivre ici, j'ai le choix. Vous voyez, donc, si vous voulez une réponse claire, oui, c'est un parti aujourd'hui qui fonctionne comme ça, de façon totalitaire. Je suis surpris que vous puissiez douter de ce que vous pouvez penser sur ce sujet-là. Je veux dire, c'est clair. Comment pouvez-vous imaginer, par exemple, certains, par exemple, m'avaient accusé, entre guillemets, d'avoir voté pour le génocide des Ouïghours. Mais attendez, après ce que j'ai vécu, avec mon passé, sachant que je suis un rescapé d'un génocide, je vais voter pour le génocide d'un peuple quelconque, Ouïghour ou pas Ouïghour. Enfin, faut arrêter. Je pense que c'est facile d'accuser des gens ou d'insinuer des choses, mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter, il faut revenir à la réalité des choses, réalité des faits, et puis arrêter de créer des liens, je sais pas, enfin, dire que je suis membre du PCC et cadre du PCC, soit la personne connaît pas ou connaît rien, mais le problème, c'est que ce sont des gens, normalement, qui se penchent sur le sujet et donc qui connaissent. Donc je pense que c'est mal intentionné. Je vous remercie, il ne s'agit pas d'accusation, il s'agit d'établir, d'avoir des déclarations sans ambiguïté. Voilà. Je rends la parole à Mme la rapporteure, je m'excuse de lui avoir reprise, mais je ne voulais pas que mon propos soit hors sujet dans la poursuite de la discussion. Vous, Mme la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de reprendre le fil de mes questions. Donc, nous avons bien entendu que vous réfutez totalement le fait d'être membre des deux associations que je viens de citer, qui sont des associations qui ont pignon sur rue, hein, qui sont assez connues, d'en être qui plus est. Ce qui est dit dans son papier, à commencer par le rapport du think tank Synopsis, membre du conseil exécutif. Et donc, vous considérez que les informations, entre guillemets, enfin les élucubrations, je ne sais pas comment vous pourriez dire les choses, que Synopsis présente, sont à caractère diffamatoire, puisque vous les réfutez totalement. Si je vous ai bien compris, c'est de ça qu'il s'agit. Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert avec ce rapport que mon nom figurait sur certains sites chinois.
je le répète, je ne vais pas les voir parce que je ne lis pas le chinois. Donc, grâce à ces gens-là, ces chercheurs qui ont travaillé dessus, j'ai appris ça. Et donc, je suis surpris moi-même. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà. Non, mais c'était pour que ça soit tout à fait établi et que celles et ceux qui nous entendent, qui nous regardent, hein, puisque cette audition est publique, soient absolument sûrs de ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez eu l'occasion, alors peut-être n'avez-vous pas demandé des explications au Think Tank Synopsis, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de demander à ce que les choses soient rectifiées, corrigées, enfin, quand on se sent... sali, traîné dans la boue, l'objet d'accusations fausses, à caractère diffamatoire, quelquefois, il peut arriver que l'on essaye de réagir si on estime que son honneur est atteint. Non, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas justes, pas vraies, fausses et parfois vraiment mal intentionnées. Et non, parce que j'estime que ça ne sert pas à grand-chose dans le sens où, lorsque vous faites un communiqué, par exemple, parfois c'est pas publié, parfois c'est pas lu, très souvent c'est pas lu. Et non, j'ai pas essayé de contredire tel ou écrit ou autre. Voilà, quand il y a eu cette période législative, je l'ai fait, j'ai répondu à la presse parce que je me sentais en fait un devoir de répondre, en tout cas pour les militants qui militaient pour moi. C'était compliqué pour eux, sur le marché, etc., de se voir en fait, se voir maltraiter en disant ah, vous défendez un député qui travaille pour le Parti communiste, etc. Voilà. Donc je me suis senti un petit peu obligé pour eux de devoir répondre. Mais sinon, ce n'est pas ma pratique. Il y a plein de choses qui ne sont pas vraies. Et puis je pense que ça ne sert pas à grand-chose d'aller répondre. Juste, je répète, mais ça venait après les deux associations que j'ai citées et dont vous dites très clairement que vous n'êtes pas membre. Je reviens sur la question de votre rôle au sein du groupe développement France-Chine, fondé par votre beau-frère. Là aussi, que pouvez-vous nous dire de ce groupe et quel est le rôle, si tant est que vous ayez eu un rôle dans ce groupe? Alors, il s'agit d'une association, comme il y en a beaucoup, en fait, qui se créent. Et je suis, en fait, conseiller. C'est un titre un peu honorifique. En fait, j'interviens lorsqu'ils m'invitent, quand il y a, par exemple, des échanges avec, par exemple, des entreprises chinoises, des entreprises françaises, etc. Et récemment encore, j'avais eu à échanger avec, justement, des entreprises françaises qui souhaitaient aller en Chine. Et donc, j'ai essayé de leur expliquer comment ça fonctionne et leur donner quelques conseils, notamment, par exemple, de bien protéger leur propriété intellectuelle, enfin, déposer les brevets, etc., etc., pour se protéger avant d'aller en Chine, parce qu'ils avaient quand même, ils couraient un risque de se faire copier ou autre. Et donc, c'est des sujets, j'essaie d'être pragmatique pour leur donner, en fait, un peu une démarche, parce que souvent, c'est des jeunes qui ont beaucoup d'idées, qui sont très créatifs, etc., mais qui font un peu fougueux, et ils partent un peu la fleur au fusil, et puis voilà, ils oublient de prendre des précautions, des mesures, en tout cas, avant d'y aller. Oui, rajouter aussi le fait que beaucoup, justement, de ces start-up, notamment des petites entreprises, qui souhaitent se développer en Asie. Évidemment, ils ont raison de viser le marché chinois parce que c'est très, très grand. Mais souvent, en fait, ces jeunes ne savent pas ce que c'est, ne savent pas la jungle que c'est, et surtout, en fait, les risques qu'ils prennent, surtout pour tout ce qui est, en fait, lié au numérique, etc. Il y a des sociétés aujourd'hui, des entreprises en Chine qui sont très, très à la pointe, et une idée, une bonne idée, est vite copiée. Donc c'est pour ça que je leur dis qu'il faut absolument qu'ils prennent les devants. Et en même temps, quand il y a par exemple des représentants chinois sur place, je leur dis à eux, du coup, qu'il faut absolument qu'ils fassent des efforts pour protéger la propriété intellectuelle. Sinon, les entreprises françaises, mais d'autres aussi, hein, d'autres pays, ne vont pas y aller parce qu'ils n'ont pas envie de se faire piller en fait leur savoir.
J'ai une autre question. Vous avez vous-même dit tout à l'heure que, en votre qualité de président de l'association des, voilà, c'est ça, pardon, pardon si j'écorche, excusez-moi, vous avez été amené à participer à des rencontres internationales, qu'elles se déroulent. Vous avez cité Montréal, la Chine, et en fait, vous êtes allé en fait assez régulièrement avant même que d'être élu à l'Assemblée nationale, mais ensuite également. Au long du mandat de député, pas en votre qualité officielle de président du groupe d'amitié France-Chine officiel de l'Assemblée nationale, mais en votre qualité de président de cette association amicale, à des rencontres internationales qui se déroulaient ici ou là, et qui étaient, en tout cas, ça semble assez évident quand on suit un peu le sujet du fonctionnement de la République populaire de Chine, qui était organisé par les autorités chinoises, hein, par le département de relations internationales, du Parti communiste chinois, etc. etc. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir s'il était tout à fait opportun d'aller régulièrement dans ce genre de rencontres internationales où, bien évidemment, qu'on pouvait parler de concorde, de coopération et de meilleure compréhension des systèmes culturels des uns et des autres, mais à travers lesquels on participait d'une orchestration voilà, et d'une stratégie d'influence, entre guillemets, extrêmement puissante et extrêmement maligne de la part du Parti communiste chinois et des autorités de la République populaire de Chine. Alors, tout d'abord, je vais répondre à votre première partie de question. En effet, je participais plus régulièrement, bien avant que je sois élu député, à ces événements, parce que j'avais plus de temps. Donc, j'ai participé beaucoup moins en tant que député, parce que le travail ici, en fait, était beaucoup plus prenant. En fait, je pense, une idée un peu simpliste de la façon dont ça fonctionne. Quand vous dites que ces événements sont organisés par les autorités chinoises, oui, quand ça se passe en Chine. Mais si vous avez fait une réunion en Malaisie, non, ce n'est pas les Chinois qui l'organisent. Quand on va à Montréal, non, ce n'est pas les Chinois. Quand on va à Singapour, non, ce n'est pas les Chinois. En France non plus, je veux dire, voilà. Et puis, il y a également, j'ai lu également des choses qui insinuaient que les associations étaient des outils utilisés par les autorités chinoises, etc. C'est beaucoup plus terre-à-terre que ça. La plus grosse partie, quasi majorité, totalité des associations que vous trouvez dans le 13e ou dans d'autres coins en France, c'est des associations pour la calligraphie, pour le gestes chinois, pour la danse. Enfin bon, c'est très terre à terre. La mécanique des tétio en France a été créée au départ pour que les gens se retrouvent le week-end, etc., pour partager les bons plans, pour trouver un logement, pour trouver une boutique, pour ouvrir un commerce, etc. Moi, quand j'étais petit, à l'époque, j'étais réquisitionné pour aller aider les personnes âgées à remplir des feuilles de sécu, vous savez, des feuilles de soins à l'époque. On allait lire les courriers qu'ils recevaient du syndic ou autre parce qu'ils ne comprenaient pas. Il y a eu des cours de français qui ont été organisés pour avoir le minimum, pour pouvoir se débrouiller. Ensuite, les années passant, en fait, c'était des cours de chinois qu'on donnait aux enfants qui ne parlent pas du tout chinois parce qu'ils ont grandi en France. On est en France, on grandit en France. Voilà. À l'époque, quand je me suis occupé de la section jeune, on organisait une section, par exemple, pour le volleyball, une section pour le badminton, une section tennis, on organisait des tournois, et une section danse. Loin de là, le truc, comment dire, planifié à l'avance, être un outil, pas du tout. Ce sont des gens locaux qui organisent, qui créent des associations pour répondre à leurs besoins, à eux, pour se retrouver, pour partager des choses. Après, que certaines associations soient plus ou moins proches de par leurs membres, et là je dis, je précise bien, c'est plutôt des membres qui sont venus de Chine continentale, parce que comme je vous dis, les associations du 13e recoupent principalement des gens qui sont, je veux dire, comment dire, qui sont arrivés déjà en France par ricochet, c'est-à-dire que c'est les grands-parents, les arrière-grands-parents qui ont quitté la Chine déjà, qui sont installés, ils se sont installés au Laos, au Vietnam, au Cambodge, etc., et ensuite, avec tous les événements qu'il y a eu, ils sont arrivés en France. Donc ces gens-là, finalement, ont une, comment dire, des liens qui ne sont pas des liens comme on pourrait imaginer, comment dire, de mère patrie, la Chine, etc. Ce n'est pas le cas.
Donc, j'ai lu des papiers en disant que telle association est le bras armé de telle... Non, si vous allez voir l'association, vous allez voir comment c'est. Vous savez, il y a des associations dans le 13e, c'est ouvert au public tous les jours. Il y a des temples, les gens qui vont prier, il y a des activités, et c'est ouvert. N'importe qui peut y aller, vous pouvez aller voir. D'ailleurs, on peut organiser une petite visite un jour si ça nous intéresse. C'est assez intéressant. Ils organisent, par exemple, le défilé dans le 13e. Chaque année, pour le Nouvel An, il y a un grand, énorme défilé. Et ces associations, dans l'année, hormis le défilé, vont donner des cours de chinois le mercredi et le samedi aux enfants. Il y a des cours de soutien. Il y a ici également des équipes qui font la danse des lions, qui s'entraînent toute l'année, des jeunes. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus terre à terre que vous pouvez penser. J'entends très bien ce que vous dites des associations qui ont à cœur de faire vivre les pratiques culturelles et ce qui peut rattacher aux racines et au pays d'origine. Mais voilà, là, la commission d'enquête essaye de comprendre d'autres types de mécanismes que simplement ces mécanismes-là. On n'est pas uniquement sur le sujet des associations chinoises ou cambodgiennes ou vietnamiennes qui exercent dans le 13e arrondissement et dont je salue l'esprit et l'implication. On est sur d'autres choses, la participation à des rencontres internationales, etc., et dépasse largement le cadre d'associations culturelles du 13e arrondissement. Voilà, donc c'est ça le sens de notre interrogation. Par exemple, à la conférence consultative politique du peuple de Chine, qui se réunit régulièrement à Pékin, c'est pas juste une organisation sympathique et rassemble de sympathiques associations culturelles dans les arrondissements parisiens ou d'autres villes européennes. Voilà, il y a quand même un ensemble de choses qui sont très organisées depuis un point central à Pékin. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Oui, je rejoins parfaitement là-dessus. Je veux dire que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout ce qui est organisé en Chine, directement ou indirectement, c'est lié à l'État chinois et au PCC, puisque, en fait, je vous dis, nous, en France, nous pouvons créer une association, on se met à trois, un président, un trésorier, on crée une association. En Chine, pour créer une association, il faut avoir l'autorisation des autorités, soit locales, soit provinciales, etc. De fait, c'est avec l'autorisation d'eux. D'accord ? Donc, c'est lié. Donc, en Chine, c'est comme ça que ça marche. Bon. Ensuite, ce que je vous disais, c'est que en Chine, évidemment, quand on va participer, notamment le grand congrès, c'est l'État qui l'organise. Mais quand on sort de Chine, ce n'est pas comme certains voudraient le faire croire, que tout est piloté par la Chine. C'est qu'il y a des activités. Après, chaque association adhère ou n'adhère pas, participe ou ne participe pas à tel événement. Mais quand ça sort de Chine, il peut y avoir des associations chinoises aussi qui participent à ces événements, mais ce n'est pas organisé par la Chine. Alors, c'est ça que je voulais dire. Je vous remercie. Je donne la parole au vice-président, M. Eskenegox, puis ensuite M. Dumont. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Tan. Je voudrais revenir, d'abord vous remercier de vos explications qui expliquent un peu votre parcours de vie et notamment, on vous a peut-être qualifié de chinois, ceci dit, vous venez quand même d'une région de la Chine où le dialecte Tietu, c'est comme ça qu'on dit, est parlé. Et, voilà, je crois que c'est une région de Shaoshan, c'est ça, la ville. Et donc, on peut considérer que, enfin, en tout cas, on sait que cette région de la Chine a été un foyer d'immigration important vers l'Asie du Sud-Est, et notamment le Cambodge, où vous avez vécu, mais aussi la Thaïlande, et qu'au final, il est majoritairement parlé par les Chinois qui vivent dans ces pays. Et voilà, donc ça, c'était juste pour revenir là-dessus. Moi, je reviendrai plutôt sur votre activité de député, et je vous... revenir un petit peu sur cette affaire avec les Ouïghours. Donc tout à l'heure, vous nous avez dit que vous n'avez pas voté pour le génocide, j'entends bien, vis-à-vis de votre parcours, ça paraît très incroyable. Ceci dit, il s'agissait d'une résolution contre le génocide des Ouïghours. Et en tant que député, et en tant que collègue, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous êtes le seul député à avoir voté contre cette résolution. En tout cas, c'est ce que je crois comprendre. Et surtout quand je vois que les 4 ou 5 autres collègues qui n'ont pas voté cette résolution, qui sont abstenus, sont des députés LFI et communistes, où on pourrait penser qu'ils ont une proximité, même si, pourrait,
pourrait dire que ce n'est pas le cas, mais en tout cas plus grande proximité que vous-même, qui avez un parcours à la fois d'abord d'exilé, d'avoir vécu dans un régime totalitaire, et en même temps d'entrepreneur, qui est très loin de ce qu'on peut penser d'une idéologie, peut-être pas totalitaire, mais en tout cas communiste, qui s'approprierait les biens privés pour en faire des biens publics. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est quelle a été votre démarche, ou en tout cas votre pensée, au moment où vous avez voté contre cette résolution. Et alors, je vais être encore plus honnête jusqu'au bout. Est-ce que vous avez fait l'objet de pression ? Écoutez, merci de poser la question. Ça va me permettre de vous donner des détails sur ce qui m'a conduit à voter comme j'ai voté. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, Paris est la première capitale au monde à avoir érigé une stèle en commémoration du génocide cambodgien. Ça a été fait en 2018. En fait, c'est moi qui ai porté le sujet. On y a travaillé quelques bonnes années. Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps entre les blocages administratifs, les lourdeurs, etc. etc. Donc, finalement, on a réussi à l'arrondissement, avec la mairie d'arrondissement et puis au Conseil de Paris, d'acter ça. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a beaucoup travaillé avec justement les membres du Haut Conseil des Asiatiques de France, qui regroupent donc des communautés de différents pays, dont les Cambodgiens, qui sont très actifs dans cette association. Et donc, on a porté ce projet. Et une fois qu'on a passé toute la partie, je dirais, administrative, de l'ordre, etc., qu'on a eu enfin l'autorisation de le faire, et qu'on a pu enfin trouver un lieu dans le 13e pour faire atterrir cette stèle, j'ai voulu qu'on puisse graver sur cette terre. En fait, j'ai voulu faire une stèle assez simple, en verre, transparent, avec une image gravée dessus, et également un message. Et ce message, je l'ai voulu en français et en cambodgien pour rendre hommage aux victimes, aux familles des victimes de ces génocides. Et vous savez quoi ? On m'a interdit d'utiliser le mot génocide. Je répète, ça s'est passé en avril, en février ça a été fait, et c'était installé, enfin inauguré en avril, 2018, 43 ans après les faits, après 75, l'entrée des Khmers rouges au Cambodge. D'accord ? Dans ce processus, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai su comment ça se passait, j'ai creusé. Évidemment, je n'étais pas content parce que je ne pouvais pas graver ce que je voulais. Évidemment, j'ai commencé à creuser, à comprendre pourquoi. Et j'ai appris que personne, ni une association, ni une ville, ni un État, ni un Parlement, n'avait le pouvoir de décréter que c'était un génocide, mais seul le tribunal international. D'accord ? Et le hasard des choses, en plus, a fait que nous avons inauguré cette stèle. Et en novembre 2018, donc quelques mois après, le tribunal international a statué sur le caractère génocidaire de ce qui s'est passé au Cambodge, 43 ans après. Ça veut dire que j'aurais fait la stèle en décembre, je pouvais graver dessus « génocide ». Je l'ai fait, nous l'avons fait, parce que ce n'est pas un projet que j'ai porté tout seul, c'est une équipe dont on travaille dessus. Nous l'avions fait en début d'année, on nous a refusé de graver le mot « génocide » sur cette stèle. Vous pouvez vérifier, si elle est toujours là. Donc, quand j'ai voté à l'Assemblée, la résolution demandait au gouvernement français, à l'État français, de se prononcer sur le caractère génocidaire de ce qui s'est passé pour les Ouïghours. J'ai dit non. Et j'ai expliqué. J'ai dit d'abord, on n'a pas le pouvoir de le faire. Et en plus, c'est totalement inopérant. La réalité des choses avec du recul est que ça n'a rien changé. On s'est fait plaisir, on a voté un truc. Et je peux vous dire que j'étais loin de penser que je serais le seul à voter contre. Parce qu'on n'était pas tous sur cette ligne-là. Peut-être que j'aurais dû faire comme certains collègues, aller à la buvette. Mais non, j'ai voté en mon âme et conscience. On m'a demandé de voter sur une résolution demandant à l'État français de se prononcer sur le génocide des Ouïghours. Non. C'est clair. Après, on a voulu me faire croire que j'ai voté pour le génocide, que j'étais contre, que j'étais sous la menace des contraintes. Il n'y a eu aucune menace, aucune contrainte
par qui que ce soit. Voilà. Ok, j'entends votre réponse. Je vous remercie. Par contre, je suis quand même surpris. Je crois comprendre en fait qu'au fond, c'est parce qu'on vous avait refusé d'utiliser le terme de génocide pour le Cambodge. Je connais un peu l'histoire du Cambodge. Que vous avez pris ombrage quelque part et que le mot soit utilisé pour les Ouïghours. Est-ce que c'est ça ? Non. Je suis en revanche assez contre le galvaudage de certains termes, qu'on utilise génocide pour oui, pour oui, pour non, évidemment, parce que je pense que chaque mot a un sens, mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas une course entre le Cambodge et les Ouïghours, pas du tout. Pas du tout. C'est que techniquement, et c'était vraiment le fond de notre pensée, on ne pouvait pas demander à l'État français de se prononcer sur cette résolution. Et en plus, le ministre qui était au banc l'a dit lui-même. Donc, mais je ne sais pas pourquoi on me l'a reproché à moi, alors que c'est un fait. Je veux dire, c'est pas... Alors après, je vous dis, certains collègues m'ont dit « mais t'as dû rester à la buvette ». Peut-être. Mais pour répondre à votre question, je pense que c'était le fond de votre question, il n'a évidemment aucune contrainte, aucune menace, aucun chantage, rien. Monsieur Dumont. Merci, monsieur le président. Merci, cher Wontan, de votre présence parmi nous. Plusieurs questions. Peut-être vous les poser une par une pour que ce soit plus clair. Vous nous avez expliqué lors de votre propos liminaire que vous n'aviez pas d'entrée particulière avec le régime chinois, je cite. Et de ce qui ressort en réalité de ce que vous venez de nous dire, vous n'avez en réalité, vous expliquez en tout cas, avoir assez peu de liens avec la Chine, en dehors de la partie des expatriés qui se situe dans votre circonscription dont vous étiez le député. Ma question est donc simple. Pourquoi est-ce que vous avez voulu prendre la tête du groupe d'amitié France-Chine ici à l'Assemblée nationale et pas, par exemple, la tête du groupe d'amitié France-Cambodge dont vous êtes originaire ? Comment cela s'est-il passé ? Est-ce que c'était vous qui avez fait la demande, une demande expresse auprès de votre groupe politique de récupérer la présidence ou est-ce que c'est plutôt le fruit du hasard ? On vous l'a attribué comme cela ? Alors, en fait, oui, j'avais demandé en fait quelques groupes. J'avais postulé pas beaucoup de groupes d'ailleurs, peut-être 5-6 groupes d'amitié qui m'intéressaient. J'avais postulé au groupe de mémoire, hein, je ne me trompe pas, Corée, Cambodge, Chine, Japon aussi, je crois, et également peut-être, je ne sais plus, un ou deux autres pays. Je ne sais pas si ça vous a échappé, mais en fait, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Cambodge. Parce que c'est évidemment, je suis attaché. Et on ne peut présider qu'un seul groupe d'amitié. Donc voilà, j'ai pris la présidence du groupe d'amitié France-Chine. Mais, et ça, c'est bizarre parce qu'on en parle très peu. J'ai suivi pendant toute la mandature, évidemment, tout ce qui se passait avec le groupe d'amitié France-Cambodge. Et je vous ai dit, on a même monté une délégation, nous sommes allés au Cambodge avec Michel Arbillon, qui présidait, lui, du coup, le groupe d'amitié France-Chine, France-Cambodge, et nous en fout pas mal de choses. Alors, moins d'activités que le groupe France-Chine, mais la mission que nous avons menée avec M. Wasserman également, M. Arbillon et moi-même, était très, très intéressante. Et pour moi, c'est également un exemple de ce que la diplomatie parlementaire pouvait faire. Je pense que ma question, c'était plus par rapport au groupe d'amitié France-Chine que par rapport aux activités du groupe d'amitié France-Cambodge. Donc c'est bien vous qui avez fait la demande express de présider le groupe d'amitié France-Chine. Et pourquoi du coup ? Parce que vous estimez peut-être, je ne sais pas, que c'était la plus grande communauté dans votre circonscription à Paris ? Je vais demander en effet plusieurs groupes et j'ai demandé la Chine. Parce que, bah, de fait, dans ma circonscription, il y a une forte communauté de gens qui sont d'origine chinoise. Et pour ne vous cacher, c'est quand même un plus gros pays avec plus d'événements qu'on peut, enfin plus de choses qui se passent, et donc plus intéressantes à mon avis. Après,
Je pense que j'aurais été très content aussi de pouvoir. Il y avait un pays qui m'intéressait bien aussi, c'était la Corée du Sud. Mais je crois que c'est le collègue d'origine coréenne oui, c'est son Jean-François Forger, je crois, qui a présidé le groupe d'amitié avec la Corée. Merci beaucoup. Ma deuxième question revient sur le fameux vote sur la reconnaissance et la condamnation des crimes contre l'humanité à l'égard des Ouïghours. Est-ce que, à cette occasion, avant ou après, vous avez été contacté par l'ambassade de la République populaire de Chine pour évoquer ce vote à l'Assemblée nationale? Et si oui, pouvez-vous nous en dire la teneur des échanges? Non, je n'ai pas été contacté. En revanche, nous avons, je ne sais plus à quelle période, à quel moment exactement, mais nous avons échangé sur ce sujet, parce que ce n'était pas l'ambassadeur, c'est quelqu'un de l'ambassade qui m'en avait parlé. Et je lui ai répondu d'ailleurs que ce n'était pas un sujet, comment dire, qui ne pouvait pas se décider en dehors de l'Assemblée, ça devait aller au vote. En revanche, je tiens à rappeler que. Comment dire, ce vote a eu lieu en fait sur un texte qui était préparé par une autre collègue députée au départ et qui a été repris en fait par un autre groupe et qui l'a présenté dans sa niche. Voilà. Donc, ça pour vous dire que c'est même pas comment dire une personne qui a porté ça depuis le début. C'était un groupe qui avait repris ce texte-là, qu'il a présenté dans la niche. Merci beaucoup. Avant-dernière question, je voudrais rebondir sur la question de Madame le rapporteur sur un article de presse qui vous faisait état de votre soi-disant appartenance au conseil exécutif de l'Association pour l'amitié des Chinois de l'étranger. Donc vous avez nié votre appartenance à ce comité exécutif. Vous nous avez dit avoir découvert votre nom associé et inscrit sur un site internet dans ce conseil exécutif. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle occasion vous avez découvert votre nom, cette usurpation d'identité en réalité, puisque vous dites ne pas avoir adhéré jamais à cette association et donc a fortiori ne pas pouvoir en être membre du conseil exécutif. Et pouvez-vous également nous dire les actions que vous avez pu entreprendre pour faire cesser cette usurpation, que ce soit auprès des autorités, de l'ambassade ou ici en France? Alors, pour être précis, en fait, c'est même pas moi qui suis allé voir. J'ai demandé à quelqu'un qui est chinois d'aller voir sur le site avec le lien qui était décrit par le papier. Et on m'a confirmé donc également que mon nom était bien sur le site. Et j'ai même demandé est-ce que c'est bien moi? Parce que bon, c'est peut-être un homonyme, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai appris avec ce papier-là que mon nom était sur ce site-là. Après, comme je l'ai dit, pas plus que pour les médias, les papiers qui sont sortis en France, j'ai attaqué personne. Je pense que je ne sais pas si mon nom y est toujours, si c'est une erreur, peut-être corrigée. Si ce n'est pas une erreur, ben, ils l'ont laissé parce que c'est quelqu'un d'autre qui a le même nom. Je ne sais pas. Je ne suis pas allé voir. Merci beaucoup. Et donc, dernière question, qui est plus une demande de confirmation. Vous confirmez bien, d'ailleurs, vous venez de le dire, que vous ne parlez, ni n'écrivez, ni comprenez le mandarin. Non, non. Je parle le mandarin. Je ne lis pas, je n'écris pas. Mais je parle. Je parle le mandarin, le tiétu et le cantonais. Merci beaucoup. Merci Madame Clapeau, puis ensuite Madame Colombier. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'adresser à Bountan, que nous auditionnons aujourd'hui en le tutoyant, parce que nous sommes anciens collègues à la Commission des Affaires étrangères, donc je ne voudrais pas dissimuler quoi que ce soit. Je précise que je suis vice-présidente du groupe d'études à vocation internationale Taïwan, et que je n'ai pas adhéré ni dans le mandat précédent ni dans celui-ci au groupe d'amitié avec la Chine. Et quand j'ai débuté mon mandat en 2017, en tant qu'ex et toujours militante d'Amnesty International, j'ai vraiment mis un focus sur les droits humains
Et à cet égard, j'ai organisé un certain nombre de petites conférences au sein de la commission des affaires étrangères, avec chaque fois le président du groupe d'amitié ou son représentant, un chercheur, une ONG. On a passé comme ça en revue l'Égypte, la Russie, la Turquie, l'Iran, le Brésil. Et j'ai retrouvé la date en cherchant le 12 février 2019. C'était sur la Chine. Nous avons passé en revue les différentes violations des droits humains en Chine. Et donc, je voudrais juste dire qu'on parle beaucoup de la reconnaissance du génocide ouïghour, mais que les violations des droits humains en Chine sont infiniment plus larges que ça, puisqu'il y a un harcèlement des droits humains, une répression des libertés d'expression, de la presse, d'orientation sexuelle, torture, viol, peine de mort, endoctrinement, sans parler, bien sûr, du Tibet et de Hong Kong, où il y a une loi sur la sécurité nationale. Alors, je voulais rappeler ça parce que finalement, les questions que j'aimerais poser, d'abord sur les droits humains, puis après j'en aurai d'autres, c'est est-ce que, au-delà de cette reconnaissance ou pas du génocide des Ouïghours, où tu dis ne pas avoir eu d'influence, est-ce que sur les autres aspects droits humains, déjà, tu as eu des pressions, ou est-ce que tu as exercé de l'influence sur les collègues députés pour ne pas ou moins parler de ces sujets de droits humains? C'est ma première question, j'en aurai d'autres après. Non. Non, j'ai pas eu de pression, de contrainte ou autre. Et je n'ai pas non plus exercé de pression sur des collègues pour un vote ou quelconque, évidemment que non. Alors, si on continue avec la Chine, donc il y a toute la question des intérêts économiques, hein, qu'on va sans doute aborder, mais du coup j'y viens, les investissements stratégiques, le cyberespionnage, Huawei, il y a aussi les ambitions chinoises en zone pacifique, et puis la question de Taïwan que je connais d'autant mieux, et où on sait que tout, ne serait-ce qu'un tweet de soutien à Taïwan déclenche aussitôt les foudres de l'ambassadeur de République populaire de Chine en France, qui a un langage extrêmement fleuri, extrêmement agressif, et également des pressions, hein, avec des tentatives de blacklistage et puis des... Pardon, excusez-moi, voilà. Et donc, moi, je voudrais poser la question aussi directement, puisqu'on est dans une commission d'enquête. Est-ce que dans ces sujets donc, qui sont hors des droits humains, est-ce que tu as eu des pressions? Mais je repose la question d'une façon peut-être un peu plus incisive. Comment peux-tu être sûr que tu t'es prémuni de toute tentative d'influence qui aurait pu après se répercuter sur les sujets que tu choisissais, les conversations avec les collègues et toute la palette d'action d'un député? Alors, je vais peut-être revenir sur certains petits articles qui me reviennent à l'esprit. On m'a prêté, par exemple, des liens, des dépendances vis-à-vis de la Chine qui auraient permis, par exemple, aux autorités chinoises ou à l'ambassade de faire pression sur moi, parce que notamment les activités commerciales des sociétés dans lesquelles je travaillais, en fait, commercent avec la Chine. Alors, je voudrais rappeler une chose. Nous importons et nous fournissons la grande distribution avec du thé. Alors, du thé de Chine, mais également des infusions qui viennent de Pologne, d'Espagne, etc. Tous nos clients, tous, sont en France ou en Europe. C'est-à-dire que nous vendons à Carrefour, Leclerc, Intermarché, enfin tous les grands distributeurs. Et donc, nous ne vendons rien à la Chine. Donc, je pense que ça permet également de mieux éclairer certains articles que vous avez pu lire. Ensuite, pour répondre à ta question, je ne pense pas, même à mon insu, avoir été l'objet de pression ou autre, parce que je n'ai pas de
de dépendance vis-à-vis de la Chine économique, ou j'ai une famille proche qui vit en Chine, enfin depuis longtemps, ça fait 3 générations que j'ai quitté la Chine. Je ne peux même pas dire, ils vont peut-être faire pression sur ma sœur ou sur mon cousin, je ne sais pourquoi, ce n'est pas le cas. Non, je ne pense pas franchement avoir subi de pression d'une façon ou d'une autre. Sur ce qui est, par exemple, tu parlais des déclarations, des réactions de l'ambassadeur. Évidemment qu'il y a des choses, par exemple, que je ne partage pas. Je me souviens, par exemple, à l'époque, d'une histoire liée à cette déclaration de l'ambassadeur qui disait qu'on avait très mal géré la crise du Covid et qu'on avait laissé mourir nos aînés. Je trouve ça totalement inacceptable. Comment on peut décemment dire que, quel que soit le gouvernement, les personnes en place, que nous ayons décidé volontairement, délibérément, de laisser mourir nos aînés. C'est lunaire. Bon. Après, est-ce que je vais aller faire des déclarations dans tous les sens, faire des tribunes? Non, ce n'est pas ma façon de faire. Alors, certains me le reprochaient, ils disent pourquoi tu l'as pas fait. Je dis mais je le fais pas pour ça, c'est pour autre chose. Ça ne veut pas du tout dire. Et si on me pose la question aujourd'hui, si tu me poses la question, je te dis évidemment que je suis contre. Je ne partage pas cette vision d'insinuer ou d'accuser des gens comme ça. Non. Et pour revenir à la question initiale, je ne pense pas qu'il puisse, enfin, qu'il y ait moyen aujourd'hui de faire du chantage ou pas avec moi, parce que j'ai pas de. J'ai plus de famille proche, je vends rien à la Chine. Et on importe de Chine, certes, mais on importe aussi de Singapour, de Thaïlande, de Malaisie, d'Italie, d'Allemagne, de Pologne, de Hollande. Donc, je dirais, j'aurais plus à craindre d'une pression des distributeurs, et ça, on l'a chaque année en négociation, que de la Chine. Merci, Madame Clapeau. Vous avez une autre question ? Madame Colombier. Alors moi, j'aurais juste une question, parce que beaucoup des questions que je voulais poser ont été bien sûr préalablement. Monsieur Tan, en fait, je voudrais que vous puissiez me dire quelles sont est-ce que vous avez des relations ? Est-ce que pendant ce mandat et peut-être avant, après, avez-vous des relations privilégiées ? Parce que c'est une question toute simple, et finalement, autour de toutes les questions qui ont été posées, avec l'État chinois, clairement. Ou avec l'ambassade, enfin, est-ce que vous avez eu des rencontres régulières avec le pouvoir chinois? Est-ce que vous avez encore, c'est autre chose, mais dans le cadre, entre autres, de votre députation, avez-vous eu des relations très proches? De savoir un peu si vous êtes allé souvent, si vous avez rencontré le pouvoir chinois. Voilà, c'est une question toute simple, mais merci. Alors, je vais essayer de préciser un peu votre question. Déjà, donc, définir ce qui est les relations privilégiées. Par exemple, dans le cadre de mon action en tant qu'élu local, dans le 13e, parce que je suis élu en fait depuis 2008, nous avons mis en place des jumelages, par exemple, avec des villes ou des quartiers en Chine. Et donc, on a un contact assez régulier, puisque chaque année, on a des échanges. Parfois, on reçoit même des artistes qui viennent se produire en France pour telle ou telle festivité. Voilà. Donc, si ça rentre dans le cadre de relations privilégiées, oui. Après, est-ce que c'est l'État chinois? Ça l'est, ça ne l'est pas. Ça dépend comment vous comprenez votre question. C'est-à-dire que tout ce qui est, même une ville, une municipalité, par exemple, c'est indirectement l'État chinois. D'accord. Ça l'est moins en France. Bon, c'est parce que les maires, c'est différent, sont élus différemment, etc. Mais dans ce cadre-là, oui, puisqu'on a quelques municipalités ou villes avec qui nous sommes jumelés dans le 13e, avec qui nous avons des relations un peu privilégiées. Est-ce que j'ai des relations privilégiées avec l'ambassade? Non, je ne pense pas. Je les croise souvent dans les événements, vous savez, quand on célèbre Nouvel An chinois, la fête de la Lune, ou tel, quand il y a un spectacle, etc. Ils sont invités, je suis invité, on se croise là. Est-ce que j'ai je vais régulièrement en Chine? Avant, j'y allais plus souvent.
pour le travail, etc. Depuis que je suis député, beaucoup moins. En fait, depuis que je suis élu, j'y vais un peu moins déjà. Même, je parle élu local, hein, parce que j'étais conseiller de Paris également. Et ensuite, quand j'étais député, je suis allé beaucoup moins parce que on n'avait pas le temps d'y aller, sauf dans les délégations où je représente justement le Parlement, dans le cadre des grandes commissions, ou quand on a des déplacements, des délégations parlementaires, où on se rend en Chine. Et sinon, pendant cette période-là, oui, j'étais quelques fois, peu de fois, dans le cadre de l'association dont je suis président d'honneur dans le 13e. Pardon. Madame Colombie, vous avez d'autres questions ? Non, je pense que vous avez répondu. C'était également de savoir si vous aviez eu un contact direct avec le président chinois. Est-ce que les relations étaient bonnes ? Est-ce que tout a été toujours dans le bon sens ou, voilà. Alors, je vais vous répondre également là-dessus. J'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises le président chinois, notamment quand il était venu également à Paris, en France, puisqu'on l'a reçu avec le président Ferrand. Mais non, je ne suis pas, très proche ou autre du président chinois, pas du tout. Je le croise parmi souvent quelques centaines ou milliers de personnes. Ce n'était pas le cas ici, parce qu'à l'Assemblée, nous étions un petit groupe. Nous avions Mme de Sarnez, qui était présidente du groupe, de la commission des affaires étrangères. Il y avait moi, il y avait quelques députés, ils n'étaient pas nombreux. Mais voilà. Merci beaucoup. Dans la continuité de la question que vient de vous poser Mme Parmentier, dans le rapport Synopsis, alors moi je ne connais pas cette institution, je ne veux pas faire seulement de le connaître, mais au-delà du contenu, il y a différentes photos. Vous êtes présent en 2019 à un événement de l'association qui a été mentionné par la rapporteure. Vous serrez la main de monsieur du président Xi Jinping. Inversement, monsieur Xi Jinping est une des personnalités, évidemment, dirigeantes de la Chine, donc la deuxième puissance mondiale. Ce n'est pas vous faire offense de dire que vous n'êtes pas ministre, Premier ministre de la France, ou pas une personnalité politique non plus très connue. Ce n'est pas une critique, c'est le cas de nous tous. Le fait que le président de la Chine, en 2019, où il est quand même au fait de son pouvoir, par ailleurs, c'est plus juste un nouveau ou même un dirigeant chinois tel qu'il pouvait être il y a encore 10 ans, mais on est passé à une incarnation politique autoritaire particulièrement puissante autour de cette personne. Donc le fait que la personne du président de la République populaire de Chine vous serre la main à cet événement semble, en tout cas, de point de vue extérieur, pas anodin. Donc comment avez-vous obtenu, en fait, une reconnaissance à un tel niveau qui vous permet d'être reconnu par lui? Alors je ne sais pas si vous reconnaissez, mais en tout cas, il vous serre la main et au milieu de très nombreuses personnes. Alors ce n'est qu'une photo, donc je vous interroge premier rang. Voilà, vous pouvez recontextualiser cette photo qui ne peut qu'interpeller. Et d'une autre manière, il y a une autre photo beaucoup plus ancienne de 2013, où vous êtes alors conseiller de Paris et vous assistez, une fois de plus, c'est une photo. Alors, vous pouvez la recontextualiser, peut-être que vous ne faites que passer, une photo ne dit rien, mais vous êtes donc présent au meeting du parti. Donc, parti qui, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, je pense, est totalitaire. Donc, le fait d'avoir de bonnes relations avec des responsables chinois, c'est une chose. Le fait d'assister à la réunion d'un parti totalitaire avec les méfaits qu'a mentionné notre collègue Clapeau, enfin, quand même décrit, notre collègue Clapeau, interroge, voilà, au-delà de la simple amitié, de la simple l'entretien de bonnes relations. Voilà, est-ce que vous pourriez être explicite sur ces deux photos, par contre tout le rapport que j'ai lu, je pense que d'autres l'ont lu, qui n'est pas très long, mais au-delà du rapport lui-même, qu'on n'a pas le temps d'étudier ensemble ici, voilà, ces photos interpellent par rapport à la question, si vous voulez, la réponse que vous avez apportée à Mme Colombier ou à M. Dumont tout à l'heure, ou à moi ou même la rapporteure, on n'a pas l'impression que ça traduit, si vous voulez, la relation d'un niveau qui vous permet d'être prise en photo au premier rang 2019 d'un événement avec le président de la deuxième puissance mondiale.
Alors, je vais essayer de vous répondre, en tout cas, d'apporter en tout cas, des éléments qui puissent vous permettre de comprendre. Au niveau de ces photos ou des rencontres avec le président chinois, certains ont voulu, d'ailleurs, dans certains articles, me dessiner, me dépeindre comme quelqu'un qui cherche vraiment à courir derrière, à voir être, avoir la possibilité de serrer la main, etc. C'est pas tout à fait ma personnalité ni ma façon de faire. Et pour vous répondre, comment j'ai obtenu cette place, on va dire, ben, j'ai rien obtenu du tout, j'ai rien demandé. Quand vous arrivez là-bas, en fait, à la sortie de tel événement, il y a une photo ou quelque chose comme ça, et puis on vous dit vous mettez là, voilà. Après, peut-être qu'ils s'en servent aussi pour essayer de faire la promotion, disant que on a un représentant de tous les pays ou de tous les continents ou de tout, je sais pas où, j'en sais rien. Je connais pas la plupart des gens là-bas, je les connais pas, je sais pas qui c'est, hein, parce qu'en fait, nous sommes nombreux, et puis on vous met là, vous mettez là, puis c'est tout. Donc après, j'ai eu l'occasion, en effet, de serrer la main au président chinois, soit parce que nous sommes en délégation et à l'époque, en tant que président du groupe d'amitié France-Chine, par exemple, ben, on est placé sur la première ligne. Voilà, c'est le protocole qui dit vous mettez là. Idem, c'est-à-dire que c'est le protocole qui dit vous mettez là, ensuite c'est vous, etc. Il y a un ordre, on suit. Voilà. Est-ce que, en tout cas pour être clair, comment j'ai obtenu ? J'ai rien obtenu du tout, j'ai rien demandé. Voilà, donc c'est pas. Je ne suis pas essayé d'aller demander à être placé là ou pouvoir serrer la main au président, non. Alors, oui, alors, idem. En fait, le, je ne sais plus comment c'est l'acronyme, c'est le NPCC, je ne sais plus vraiment. En tout cas, c'est l'équivalent un petit peu du Sénat. C'est la je ne sais pas quoi, c'est un organe consultatif, en fait, qui regroupe pas mal de gens de différents métiers ou de régions, etc. Et j'étais allé en tant qu'auditeur, donc j'ai assisté en effet aux échanges, etc. Sans évidemment, sans droit de vote, évidemment, sans droit de parole. Enfin, on peut pas parler. On est assis, on écoute, on regarde ce qui se passe. Voilà. C'était en tant qu'observateur. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça moins intéressant que les échanges qu'il pouvait y avoir. Mais ça m'a permis aussi de mieux comprendre comment ça fonctionnait de l'intérieur. Mais voilà, je n'ai pas participé ni au débat, ni au vote, ni rien. On était juste là, quelques-uns d'entre nous, à observer ce qui se passait. Oui, il s'agit, là on fait allusion à votre présence en mars 2013, hein, très précisément, donc avant que vous ne deveniez membre de l'Assemblée nationale française. Il s'agit de ce qu'on appelle la conférence consultative politique du peuple de Chine, qui est effectivement une assemblée sans réel pouvoir. Hein. Vous l'avez comparé au Sénat, je me garderai bien de reprendre une telle comparaison. Mais c'est une assemblée sans réel pouvoir qui a une spécificité, qui joue quand même un certain rôle dans la stratégie du Parti communiste chinois, parce qu'elle elle réunit à la fois des représentants de différentes associations et de la société civile chinoise vivant en Chine, vivant à Pékin, et des étrangers issus de la diaspora, pour la plupart hommes d'affaires, représentants d'associations, de minorités, de diaspora chinoises diverses et variées vivant à l'étranger, et qui sont tous, en tout cas c'est la raison pour laquelle ils sont invités, des, pardonnez-moi l'expression, elle est peut-être un peu anachronique, mais des compagnons de route, enfin qui sont tous connus pour être favorables au régime de Pékin, pas défavorable, pas hostile. Donc il y a en quelque sorte quand même un phénomène de compagnonnage à tout le moins et de fréquentation des allées du pouvoir. Voilà. Donc tout cela, effectivement, ça interpelle un tout petit peu parce que ça écrit quelque chose quand même. Moi, je voulais vous poser une question très, très précise. Que diriez-vous aujourd'hui de l'application de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong?
Alors, je vous ai répondu un petit peu, enfin en partie, hein, cette question, puisque c'était le hasard des choses. Nous étions en délégation à Hong Kong avant la promulgation de cette loi, et j'avais fait part de mes inquiétudes sur cette loi à l'époque. On avait échangé avec, j'ai oublié son nom, pas Carrie Lam, qui est la chef exécutif, mais l'équivalente de la garde du garde des Sceaux, hein, c'est une dame, Madame Chen, je crois. Nous avons échangé, on a fait part de nos inquiétudes. Elle m'a expliqué un petit peu comment ça s'articulait et pour elle, ça ne posait pas de problème. Malheureusement, pour les Hongkongais, on a vu que ça posait problème par la suite. Donc, vous me posez la question de savoir comment, enfin, ce que je pense de l'application de la loi. Avant l'application, déjà, j'ai trouvé qu'il y avait des craintes. Et je pense que ce n'est pas étranger au fait qu'aujourd'hui, et ça je le constate depuis quelque temps déjà, pas mal d'entreprises françaises, européennes, qui souhaitent se développer en Asie, et donc en Chine également, aujourd'hui préfèrent aller à Singapour qu'à Hong Kong, parce que je pense que l'environnement a changé, et que la sécurité qu'ils avaient avant, en tout cas qu'ils ressentaient avant, ben, ils ne sentent plus du tout. Et autant avant, je dirais que il y avait soit une préférence pour Hong Kong, soit une préférence pour Singapour, mais de ce que me remontent les gens qui conseillent l'entreprise, aujourd'hui, certaines ne posent... Enfin, c'est même plus une option. On ne demande même pas à étudier comparativement Hong Kong et Singapour, c'est regarder comment notre siège asiatique peut s'installer à Singapour, point. Vous voyez ? Alors, peut-être certains comparent aujourd'hui Singapour et Vietnam, ou Singapour et Malaisie, mais pour certains groupes, Hong Kong n'est plus une option. Vous voyez ? Donc, je pense que, à mon avis, c'est un impact. Alors, peut-être pas directement de cette loi, mais d'un ensemble de choses. Et je pense que beaucoup de gens ont pris peur également, je parle des Hongkongais, hein, qui vivent là-bas, et certains ont quitté Hong Kong. En fait, ont décidé de quitter Hong Kong, d'émigrer, de quitter définitivement Hong Kong. Oui, j'entends bien et j'entends ce que vous dites de l'impact de l'application de la loi sur la sécurité nationale voulue par les autorités de Hong Kong sur les investissements et sur le business en quelque sorte. Mais est-ce que vous condamnez fermement l'application de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong et la féroce répression enclenché par les autorités hongkongaises, des manifestations pour la liberté de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Hongkongais, de jeunes Hongkongais, mais également de beaucoup d'autres. La répression est féroce. Les procès, vous le savez certainement, se sont ouverts depuis peu et il y a fort à parier que les peines prononcées en application de la loi sur la sécurité nationale seront extrêmement dures, extrêmement dures. Je vais apporter une réponse très claire, très succincte, oui. Merci, moi j'avais une question qui n'a très différente. Vous avez fait l'objet visiblement d'après la presse, hein, je n'ai pas eu connaissance de ce document, peut-être, et c'est la première question, on avait eu connaissance, d'une note, si on peut l'appeler comme ça, des renseignements sur votre profil, indiquant, je me souviens, selon la presse, des risques d'ingérence autour de votre parcours, de votre personnalité, de votre profil. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette note des renseignements ? Est-ce que les renseignements, quels qu'ils soient, français, vous ont déjà auditionné, contacté ? Est-ce que se sont inquiétés de vos activités ? Bref, est-ce que vous avez eu été en contact régulier, informel ou formel, avec les services ? Alors, pour vous répondre, en fait, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu, ni le journaliste avec qui j'ai échangé d'ailleurs, qui a évoqué cette note, n'a vu cette note. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire s'il y a une note ou pas note. Pour répondre à votre question de savoir si j'ai été en contact avec les services de renseignements généraux, oui.
Et en fait, depuis très longtemps, puisque quand on organise des événements avec beaucoup de gens, etc., en fait, ils sont invités. Quand on fait, par exemple, des grands événements dans le 13e, ils sont invités. Pour le Nouvel An chinois, pour le défilé, ils sont invités. Et d'ailleurs, des fois, ils m'appellent pour avoir quelques informations, voir comment ça se passe, à telle heure, et ça démarre à tel endroit, etc. Donc, on échange ouvertement. Il y avait une personne, d'ailleurs, qui a suivi pendant très longtemps. Ils sont organisés, en fait, par communauté. Donc, il y a une personne qui a suivi la communauté asiatique, en général, hein, avec qui j'étais en contact. Et quand ils avaient, par exemple, besoin de savoir si la date était maintenue, si le défilé est confirmé, etc., ils m'appelaient. Oui, là, vous indiquez des liens, enfin des contacts dans un cadre presque sécuritaire, de bonne tenue, manifestation publique de votre association. Mais là, ma question, évidemment, si cette note a existé, je suppose qu'elle était sur ça et pas sur vos activités associatives. Enfin, moi aussi, hein, j'ai organisé des événements dans ma tendre jeunesse où j'étais en contact avec les services. Et ça n'avait rien à voir avec mes opinions politiques ou avec mon activité politique. Dans le cadre de mon activité politique, comme... dirigeant du mouvement souverainiste depuis 10 ans ou directeur adjoint de la campagne de Madame Le Pen ou député président délégué du groupe, aujourd'hui je n'ai jamais eu de contact avec les services au titre de mes activités politiques. Ma question était, est-ce qu'au titre de vos activités politiques et comme personnalité identifiée à tort ou à raison comme liée à la Chine ou pouvant faciliter les contacts avec la Chine, est-ce que vous avez des contacts sur ce sujet-là, sachant que vous savez très bien pertinemment, je ne sais pas où je vais l'apprendre, que la Chine fait l'objet d'une attention de plus en plus forte de nos services de renseignement et que donc vous auriez pu être un des contacts privilégiés de ces services. Non, j'ai pas été, auditionné ou contacté pour mes activités de parlementaire ou liées à la Chine, etc. Non. J'ai eu un échange avec la préfecture il y a quelque temps de ça. Ça remonte un petit peu déjà. Ils m'ont dit, fais attention parce que tu risques d'être approché, etc., pour me protéger en disant attention, voilà. Et en revanche, moi, j'avais sollicité les services quand on a fait la première délégation pour aller en Chine pour que le service, en fait, sensibilise mes collègues sur ce qu'il faut faire, pas faire, sur les risques qu'on a avec nos portables, nos téléphones, etc. D'ailleurs, ils ont fait un peu peur aux collègues. c'est plutôt ça. Mais sinon, pour répondre à votre question, est-ce que j'ai été contacté ou je suis en lien pour mes activités, etc. Non. Et je vous dis, je ne sais pas si cette note existe parce que personne ne l'a vue apparemment. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Vous n'avez pas tenté de demander des comptes au service parce que je crois, en tout cas, qu'il est possible aux citoyens ou en tout cas d'obtenir, si elle existe, une partie ou tout ou partie du dossier qu'auraient les services de renseignement sur sa personne. Et d'une manière générale, avec cette question, je me permets quand même de m'étonner, et je voudrais avoir à nouveau votre sentiment là-dessus, que ce soit effectivement l'usage, l'usurpation de votre identité sur un site, le fait que vous ayez quand même des articles que vous-même vous jugez calomnieux sur votre parcours, et je comprends qu'elle le soit par rapport à ce que vous nous dites, ce que vous répondez à ces articles. Là encore, sur la note, je ne sens pas... Alors, on a tous des caractères différents, bien sûr, mais au-delà des différences de caractère, je dois dire, Monsieur Tan, que je ne sens pas une espèce d'indignation à vouloir rétablir la vérité, de vouloir rétablir les faits, de vouloir obtenir les documents qui vous accusent de certaines choses, même d'attaquer en justice. Moi, si on me calomnie, j'attaque en justice. Alors, il y a des limites. On ne peut pas aller attaquer n'importe qui vous attaque, la moindre personne. On ne va pas faire des procès à tout le monde. Mais là, on parle quand même de 3 quotidiens qui ont quand même pignon sur rue, à savoir le magazine Le Point, le quotidien Le Monde, le site France Radio France, pardon, et France Info TV, et l'antenne de France Info. On parle d'après, et j'ai bien écouté ce qu'a dit ma rapporteure, d'une étude publiée par un institut qui a quand même des personnalités qui sont liées à une université, et pas, c'est pas une officine ou une ordure qu'on balance comme ça sur les réseaux sans savoir d'où ça vient. Là, une fois de plus, cette note, si j'avais on parlait d'une note sur ma personne, je m'inquiéterais de cette note. Donc, c'est vrai qu'on ne sent pas, si vous voulez, par rapport à la gravité quand même de ce que vous y reprochez,
Alors, on peut d'ailleurs estimer que ça a pu jouer un rôle dans la perte de votre mandat. J'imagine que c'est un mandat qui vous tenait à cœur. Je dois dire que je ne sens pas de volonté de rétablir les faits. Je ne sais pas s'il y avait mon nom sur le site d'associations étrangères, par ailleurs, d'un régime autoritaire. Je m'en inquiéterais plus que comme ça, quoi. Excusez la conclusion un peu informelle de ma question. Non, au contraire. Écoutez, merci de vos remarques, parce que d'abord, je ne savais pas j'apprends qu'on peut avoir, demander en tout cas au service des informations sur une éventuelle fiche IA sur soi, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne l'ai pas fait. Et pour répondre un petit peu à votre interrogation, en fait, moi j'ai l'impression que ça ne sert à rien, ça ne fait que donner de l'écho à ces papiers ou c'est ce qui est écrit. Vous voyez, je pense par exemple à l'échange que nous avons eu avec Madame Guibert, je crois, du Monde, qui dans l'échange me reparle d'un article, je ne sais plus si c'est Libération ou autre, qui me dépeint comme justement quelqu'un qui a soif de pouvoir, qui est prêt à jouer des coudes, etc. Et notamment qui relate un fait qui s'est passé d'après l'article donc à Pékin, où j'ai joué des coudes pour me mettre au premier rang de l'article. Et donc, je lui ai dit, c'est bien d'en parler, j'expliquais ce qui s'est passé. Je lui ai dit, c'est très simple. Le journaliste qui a écrit l'article, il avait très facilement la possibilité de vérifier pour savoir si c'est vrai ou pas. Il montre au protocole qui devait être au premier rang, qui devait serrer la main ou pas au président. Point. C'est tout. Donc, l'article me dépeignait comme quelqu'un qui ne devrait pas être là, mais qui a joué des coudes pour essayer de se mettre au premier rang, pour aller serrer la main au président. Enfin, elle me dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Je lui dis, dire à qui? Dire quoi? Refaire un communiqué qui ne sera pas lu pour donner de l'écho à l'article qui est sorti? Et le journaliste, s'il a fait son travail correctement, il passe un coup de fil au protocole et demande est-ce que M. Tan devait être là? Point. Bon. Franchement, moi j'avais estimé à l'époque que j'avais mieux à faire de mon temps, travailler plutôt dans les commissions et sur les dossiers, sur le commerce extérieur, etc., que d'aller courir après ces articles qui... Voilà, mais le fait est que après, ce que les gens retiennent, c'est ça. D'ailleurs, ouais, vous avez eu l'article, et si je ne suis pas là pour vous l'expliquer, vous croyez ce qui m'a mis dans l'article, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous, on ne croit rien, on pose des questions, comme vous le savez, dans le cadre de notre mandat. Moi, si vous voulez, le fait que des journalistes racontent des bêtises, ce ne sera pas les derniers articles où il y a des imprécisions, des raccourcis. On en a tous été victimes, je pense, à différents degrés. Moi, ce qui me... Parce que vous parlez vous-même, M. Tan, d'une campagne de calomnie. Et si vous voulez, la différence entre des imprécisions, des fausses informations... des exagérations, des mises en scène pour faire vendre du papier, et le fait qu'il y a des éléments factuels quand même graves, puisque vous accuse quand même d'être lié au Parti communiste chinois. Enfin, c'est pas des petites accusations, c'est pas vous avez piqué un bonbon chez la boulangère à 8 ans. Bon. Donc c'est le fait que vous ne cherchez pas à exercer vos droits aussi à rétablir la vérité, c'est-à-dire à attaquer pour diffamation, ou abus du droit de la femme, ou pour des informations qui sont contraires au droit de la presse en France, ne peut que nous interroger. Comprenez aussi que nous, que si des accusations aussi graves sont formulées d'une personne qui, par ailleurs, connaît le droit, qui a des moyens économiques, voilà, vous n'êtes pas une petite chose qui ignore le droit ou ses droits d'une manière générale, ou qui n'a pas les moyens économiques de faire valoir son bon droit. Et les procédures en France ne sont pas aussi coûteuses ou onéreuses que des procédures aux États-Unis, par exemple. Comprenez que cette commission s'interroge sur le fait que vous ne semblez pas vouloir rétablir des faits et même, de sortir un nom d'un site internet qui vous le dites vous-même. Enfin, c'est pas ce qui a été dit, mais vous n'avez pas contesté le terme employé par le vice-président Dumont d'usurpation d'identité. Vous avez raison, c'est d'autant plus l'occasion pour moi de vous remercier de pouvoir rétablir la vérité. Et autant je me sens le devoir de répondre, collègue
député ou autre, autant j'avais en fait pour un autre dossier, parce que vous n'avez pas ils n'avaient pas échappé non plus qu'il y a des articles qui ont aussi dit que j'étais en fait l'objet d'une plainte pour détournement de fonds, etc. Oui, bon. Mais on va en parler. Je prends 2 minutes, je vais vous expliquer. Vous allez voir. Et pour ça, en revanche, par exemple, on m'a beaucoup incité à aller porter plainte. Du coup, je pose la question à un avocat, mais je ne peux pas aller plus loin. Mais je veux relater les faits. En fait, la personne qui a porté plainte contre moi était, et toujours, dans l'association que j'avais présidée. Il m'avait demandé de présider alors que je ne voulais pas. Finalement, je l'ai présidé. Et puis, quand j'ai senti que ça ne bougeait pas, en fait, et que c'était en fait un but politique pour aller faire le rabatteur de voix, j'ai dit non, moi, c'est pas ma vision des choses. Donc, j'ai quitté. Et donc, j'ai démissionné de cette association. Alors, premier point, l'article dit en fait, j'étais évincé déjà. Bon. Une fois que j'ai quitté l'association, ils m'ont proposé d'être membre, président d'honneur. J'ai dit non, je ne veux pas avoir de lien, je quitte définitivement cette association. Et la personne était très en soutien et m'a même envoyé un message lorsque j'ai été retenu pour représenter la liste En Marche pour me présenter à l'époque. Il m'a envoyé un message, félicitations, derrière toi, terrain. Et, bizarrement, quelques semaines avant le premier tour, elle a déposé plainte contre moi pour détournement de fonds, soi-disant que j'avais pris des chèques sans ordre et que je les ai encaissés, donc des chèques de l'association. D'accord ? La personne avait accès, évidemment, au compte. C'était très facile de vérifier si ces chèques ont été encaissés, par qui, etc. Et donc, plainte et une enquête. Donc, j'ai dû entendu par la gendarmerie, qui a évidemment fait son travail et très facilement retrouvé les chèques, retrouvé les personnes qui ont encaissé ces chèques. Il s'agissait notamment, et heureusement d'ailleurs qu'il avait tout gardé, le président d'une association de ping-pong, de tennis de table, du 13e arrondissement, qu'on avait soutenu parce qu'ils étaient montés, ils étaient venus arriver au niveau national, ils n'avaient pas les moyens de payer en fait les trajets pour faire les compétitions. Donc l'association a soutenu, a fait un chèque. Tout ça, tous les éléments, elle les avait. Et si elle ne les avait pas, elle pouvait les avoir facilement. Non, la plainte était déposée, disant que j'avais détourné des chèques blancs, etc. Bon. J'ai posé la question à l'avocat, il me dit, vous pouvez, vous allez gagner. Vous allez gagner un euro symbolique et vous allez faire ensuite la publicité pour cette personne. Voilà. Ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier très facilement, en fait. Hein. D'ailleurs, le commissaire. Ah non, mais moi, ce que vous venez de nous raconter, ça, je vérifie. Moi, j'ai posé la question pourquoi vous n'avez pas porté plainte. J'ai entendu vos arguments. Moi, j'ai mon sentiment, chacun sera son sentiment, mais j'ai totalement entendu, la commission a totalement entendu vos arguments. Une question totalement encore différente. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur le fait que, sur vos analyses de la Chine, de son rôle, le rôle qu'elle cherche à avoir en France et en Europe, sur le fait que vous ne vendez rien à la Chine, certes, mais il y a un moment, au début de vos interventions, vous avez fait une remarque qui quand même m'interroge. Vous avez indiqué que dans le cadre de votre présidence de la mission France-Chine, vous aviez notamment proposé d'aller visiter des territoires chinois, ruraux, enfin ruraux en tout cas, qui étaient différents des zones visitées des grandes villes, des zones côtières, qui sont aussi, sauf erreur de ma part, hein, moi je ne suis pas spécialiste de la Chine et je prétends pas l'être, qui sont aussi, me semble, des zones qui sont plus difficiles d'accès du point de vue des autorités, qui demandent des autorisations particulières, où la liberté de circulation en Chine, y compris d'ailleurs des nationaux chinois, n'est pas totale, il me semble, encore moins pour des étrangers qui souhaiteraient se balader, mais aussi pour des entrepreneurs. Or, vous l'avez dit vous-même, même si ce n'est pas votre activité unique, vous êtes importateur de thé chinois. J'imagine, pareil, sans être spécialiste, que la plupart de ces thés poussent
pour des raisons évidentes, sur des zones qui ne sont pas facilement accessibles et qui demandent des autorisations des pouvoirs publics. Et j'adopterai en fait finalement une autre perspective dans ma question par rapport à tout ce qui vous avez pu poser et les angles des articles. C'est au-delà de la question des ingérences, du fait que vous soyez soupçonné d'ingérence, qui vous estimez que ce n'est pas le cas, est-ce que, à la lumière peut-être de votre parcours, vous n'êtes pas parfois prisonnier de la nécessité que vous avez pour vos intérêts économiques ou pour vos employés, si ce n'est pas vous qui allez, hein, ou des personnes qui vous représentent là-bas, est-ce que vous n'êtes pas prisonnier quand même du bon vouloir des autorités chinoises pour aller au contact des producteurs théiers? Non, mais alors là, la réponse est très très simple. En fait, contrairement à ce que vous pensez, vous pouvez circuler librement en Chine. Vous pouvez être dans toutes les provinces en Chine. Moi, je suis allé, vous prenez un billet d'avion, vous achetez, vous allez à Shanghai, vous allez dans Xinjiang, vous allez où vous voulez, en fait. Hein. J'ai jamais eu à demander d'autorisation pour aller visiter un jardin de thé, ou aller dans le Anhui, dans le Fujian, dans le Canton, enfin bon, dans le Yunnan. Vous voyagez librement. Je suis assez surpris de ça, parce qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour aller d'une province à une autre. C'était le cas avant, il y a longtemps, longtemps, quand il y avait un contrôle et que les gens ne pouvaient pas se déplacer même d'une ville, d'un village à un autre. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Très bien, monsieur Dupé, vous m'apprenez ça, parce que moi, je lis régulièrement des articles dans la presse où, par exemple, au moment des vacances, des grandes vacances en Chine, visiblement, les citoyens doivent demander des autorisations, ils ne sont visiblement pas libres de leur mouvement. Mais j'ai peut-être mal compris, je ne suis pas spécialiste de la Chine, donc cette question, vous répondez à la question si c'est le cas. Non, je vous précisais, en fait, en effet, au Nouvel An chinois, c'est la plus grosse transhumance qu'il y a, il y a 300 millions de personnes qui voyagent, je crois. Et donc là, du coup, en fait, c'est très compliqué d'avoir des billets de train, d'avion, etc., parce que c'est surbooké, booké. Et après, vous avez, et là, mais c'est pas un problème de voyage pour les étrangers comme nous, c'est par exemple, vous avez des gens, certaines villes comme Pékin, Shanghai, etc., qui sont très, très, très demandées, vous pouvez pas habiter à Shanghai comme ça. Pour y habiter. Mais vous avez plein de gens qui n'ont pas le permis de résider à Shanghai, par exemple, et qui vivent en tant que travailleurs, justement, pour construire les immeubles, etc. Ce qu'on appelle les travailleurs migrants. Mais aujourd'hui, en tant que, en tout cas, nous, touristes ou étrangers, etc., vous voyagez librement. Je ne vous dis pas que, vous pouvez acheter très facilement les billets de train, etc., mais il n'y a pas de permis à demander, je veux dire. Voilà. Vous pouvez aller dans les provinces où vous voulez. Ouais, très bien, ça j'entends bien, mais est-ce que, une fois plus, c'est une question ouverte, est-ce qu'il est quand même possible de faire du business, de l'import, si vous aviez des mauvaises relations avec les autorités chinoises ? C'est-à-dire que si ils estimaient que vous étiez une personnalité hostile à leurs intérêts à l'extérieur de leur pays ? Alors, je pense que la question, vous avez la réponse. Hein. Aujourd'hui, un des plus gros marchés pour les Chinois, c'est les États-Unis. Est-ce qu'ils sont favorables à la Chine ? Est-ce qu'ils achètent de... Non, le marché est une chose. Le fait que les personnes qui officient en faveur de ce marché ou s'enrichissent sur ces échanges, c'en est une autre. Quand vous êtes acheteur, en fait, vous achetez. Alors, je vous dis, hein, encore une fois, je me répète un peu, ne pensez pas qu'on achète tout en Chine. C'est une petite partie de nos approvisionnements. D'accord ? Alors, dans le thé, plus, mais dans tous les autres produits, ça vient un peu de Chine. C'est l'usine du monde. Hein, donc, quand vous achetez, il y a des familles de produits, par exemple, les jouets, je crois que c'est 70% qui sont fabriqués en Chine dans le monde. Hein. Les vêtements, il y en a beaucoup, etc. Bon, bon. Mais quand on achète, il n'y a même pas besoin de vous rendre en Chine parfois. Vous allez à un salon à Hong Kong, vous avez des importateurs qui sont en Europe. Mais en tout cas, moi, je ne pense pas que, parce que, par exemple, on n'est pas en bon terme, ou parce que on est, comment dire, persona non grata en Chine, on ne peut pas y aller. Qu'on ne puisse pas acheter des choses. Je vous remercie. Ma dernière question, ce sera sur votre connaissance de l'influence chinoise en France. Il y a différentes personnalités
qui sont régulièrement dans la presse. Alors, comme vous en avez été victime à vos yeux, ça ne devrait pas forcément dire quelque chose, mais en tout cas, ça interroge nos concitoyens. Nous-mêmes, on doit faire des choix en tant que commission sur les personnes qu'on auditionne, qui ont une part d'arbitraire, évidemment, même si on essaie de les justifier avec le plus de documents possible, mais aussi les autres auditions que nous avons faites. Est-ce que, pour vous, les personnes qui sont identifiées comme des personnes favorables, on va dire, sans forcément que c'est de connotation autre que le simple fait qu'ils soient favorables, qu'ils aident les liens de la Chine et du régime chinois de la France. Je pense à monsieur, évidemment, monsieur Jean-Pierre Raffarin, qui est très connu pour cela. Monsieur Jean-Marie Le Guen, qui a même été prédécesseur sur la circonscription, et qui, notamment, siège ou a siégé, je ne sais plus, siège toujours au conseil d'administration de Huawei, qui n'est pas une entreprise comme une autre. On ne va pas épiloguer, mais tout le monde le sait. Et ça s'est établi pour le coup. Est-ce que vous avez connaissance, vous, de votre point de vue, est-ce que vous estimez que cette commission devrait s'intéresser à ces personnalités ou à d'autres, ou est-ce que vous estimez qu'en France, il y a des personnes qui connaissent la Chine, qui font état de relations avec la Chine, mais qui ne peuvent pas, qui ne sont pas susceptibles de favoriser de l'ingérence chinoise? Ou est-ce qu'au contraire, vous estimez que cette commission, et notamment parce que vous êtes un ancien parlementaire, est-ce que vous estimez qu'on devrait auditionner d'autres personnes, plus que vous, peut-être? Alors, tout d'abord, moi, je serais assez curieux, en fait, de comprendre le cheminement qui a fait que vous souhaitiez m'entendre déjà. J'ai cru comprendre qu'il y avait des articles, mais est-ce qu'il y a une réflexion particulière ou, je ne sais pas, des faits particuliers qui ont fait que vous avez souhaité m'entendre? Ensuite, il serait quand même pour moi un peu présomptueux de dire à la commission qui a auditionné. En tout cas, moi, honnêtement, je pense pas que je serai en mesure de vous donner une liste de personnes à auditionner ou pas. Je pense que les chercheurs seraient peut-être plus... avec une vision un peu plus globale. Voilà. Et en tout cas, pour ma part, je veux dire, j'ai pendant toute la mandature, notamment quand j'ai travaillé sur le commerce extérieur, etc., toutes les mesures que j'ai préconisées, toutes les démarches, etc., l'ont été dans un seul but, l'intérêt des entreprises françaises, l'intérêt de la France. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je ne pense pas que quelqu'un qui soit en responsabilité, aujourd'hui en politique, en France, puisse avoir une autre démarche. Je vous remercie. Ma dernière question, sauf si, évidemment, des commissaires, madame la rapporteure, a des questions complémentaires pour ma part. Suite, évidemment, donc, aux articles qu'il y a eu, alors, à cette note, dont l'existence nous a été confirmée dans d'autres auditions à huis clos, sans reconnaître le détail, est-ce que vous avez été interpellé par votre parti politique, par des collègues qui avaient une autorité hiérarchique ici au Parlement ou ailleurs? Je pense que si vous avez un secrétaire de Paris pour votre parti, je ne sais pas comment fonctionne comment fonctionnait la République en Marche ou Renaissance à l'époque, mais est-ce qu'il y a eu des suites? Est-ce qu'ils se sont intéressés à vos relations avec la Chine? Est-ce qu'ils vous ont demandé de faire attention? Enfin, bon, est-ce qu'il y a eu des contacts? Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de contact avec les services, pas avec les institutions françaises. Est-ce qu'il y a eu des suites politiques à cela? Alors, je vous permets de vous poser une petite question. J'ai cru comprendre que vous m'avez dit que l'existence de la note vous était confirmée, même si c'est à huis clos, sans en dévoiler le contenu. C'est bien ça que vous avez dit? Oui, lors de nos auditions, la question de cette note a été abordée plusieurs reprises. Cette note existe. D'accord. Alors, ensuite, oui, le parti m'a posé la question en disant, bon, tu as vu les articles, etc. Est-ce que tu penses que ça peut poser problème? Est-ce que voilà, tu le sens? Est-ce que c'est fondé? Voilà. Moi, j'ai répondu, évidemment, que j'avais aucun souci là-dessus et que je pouvais évidemment répondre si on m'interrogeait là-dessus, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, sur le marché, les gens m'interrogeaient. Donc voilà. Après,
Il n'y a pas eu de suite, où, je veux dire, il y a pas eu, on n'a pas eu d'échange, c'est un coup de fil, hein, on a échangé comme ça. Et il n'y a pas eu de, je sais pas, de suite particulière, non. Je vous remercie. Est-ce que, Madame la rapporteure, vous avez une dernière question ? Oui, merci, Monsieur le Président. C'est vraiment une dernière question un peu générale. Alors, c'est une commission d'enquête, c'est nous qui posons les questions et nous ne répondons pas aux questions. Mais enfin, on a fait un gros travail en amont des différentes auditions précises, personnalités ou d'opérationnel, d'auditions de think tank, d'universitaires, d'académiques, comme on dit dans le monde anglo-saxon, etc. Et puis on a notamment auditionné l'un des auteurs du rapport de l'ISERM, qui est extrêmement éclairant. J'espère que vous l'avez lu. Alors il est un peu long, un peu copieux, mais j'engage vraiment toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la République populaire de Chine et à ses opérations d'influence chinoise. Je reprends le titre du rapport de l'IRSEM, extrêmement bien documenté, à lire intégralement ce rapport, encore une fois très très éclairant. Si vous l'avez lu, regarde ce que l'on peut progressivement découvrir quand même dans ce rapport, comme dans d'autres rapports. Il n'y a pas que les articles de presse, puis il y a le think tank Synopsis qui dit quand même aussi des choses très très précises. Sur vous, c'est une chose, et j'entends bien, et on a bien entendu, la commission d'enquête a bien entendu que vous les réfutiez, que vous estimiez que ce que écrit Synopsis est faux, totalement faux, non avéré, mais voilà, Synopsis écrit sur beaucoup d'autres cas également de réseaux d'influence chinois et donc d'ingérence chinoise en Europe, et ce sont des travaux universitaires qui sont assez peu réfutés, je dois dire, et plutôt reconnus dans le milieu universitaire en Europe et au-delà, hein, aux États-Unis, en Australie et ailleurs. Donc, au regard de tous ces éclairages qui commencent quand même maintenant à être assez nombreux, plus les discours qu'on peut lire, hein, des autorités chinoises, enfin, il suffit de lire la prolifique littérature des grands dirigeants chinois pour savoir quelles sont les stratégies et le système, le front uni, tout ça est documenté, tout ça est dit, tout ça est explicité par les autorités chinoises elles-mêmes. Au regard de tout cela, de ce que vous savez maintenant, est-ce que vous n'estimez pas que le mélange des genres, les accointances passées ou présentes entre le mandat de député de la nation française et d'homme d'affaires ayant des liens, voilà, et ce sont des liens d'ailleurs familiaux qui existent entre votre famille et le régime, que tout cela est en quelque sorte un peu préjudiciable ou a pu être préjudiciable à l'exercice de votre mandat de parlementaire français. Alors, non, c'est-à-dire que je ne pense pas honnêtement que mes choix, mes décisions, mes votes en tant que parlementaire aient été influencés du tout. Pour la partie, je dirais, commerciale des activités de la famille, non, pas du tout. Il n'y a aucun lien, aucune influence. Je n'ai pas à aucun moment voté en me disant est-ce que ça pourrait nuire aux affaires, pas du tout. Ce que je peux dire en revanche, c'est que le fait d'être député et de m'être écarté, de m'être éloigné de la gestion des affaires a un impact important sur l'activité. On n'a pas progressé, on a même perdu beaucoup en termes d'activité, de contrat, parce que je ne les ai pas suivis, parce que voilà, donc ça c'est un fait. Mais aujourd'hui, je ne pense pas non plus que le fait que, par exemple, on achète des produits en Chine soit un mélange des genres, parce que enfin, la Chine, c'est l'usine du monde. Donc, je pense que c'est compliqué aujourd'hui de ne pas acheter de produits chinois. Il y a même, je crois, des gens qui ont essayé, fait l'expérience de vivre pendant un an sans utiliser ou consommer de produits chinois. C'est très compliqué. Mais, pardon. C'est pas ce que j'ai dit. Quand je parle de mélange des genres, ça n'est pas le commerce entre l'Europe et la Chine. C'est avec la qualité de membre du Parlement français. Alors, là-dessus, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que moi, j'estime que, en tant que parlementaire, j'essaie de travailler sur les sujets où je peux apporter une plus-value.
et donc évidemment sur des sujets que je connais, que je maîtrise. Et donc, si on dit que le fait que j'étais entrepreneur et que j'ai travaillé dans l'import-export, dans la distribution, etc., je ne dois pas me pencher sur les sujets liés au commerce extérieur, ça veut dire qu'on dirait à un enseignant de ne pas travailler sur l'éducation, à un médecin de ne pas travailler sur la santé. Enfin, c'est là que nous apportons de la plus-value. Moi, on me demande demain de travailler sur la santé, je n'y connais rien. D'ailleurs, sur les sujets comme ça, on vote en fonction de collègues qui s'est penché dessus, qui nous fait un rapport et on le croit. J'entends votre souci de ne pas mélanger les genres. Mais idem, c'est-à-dire que je connais mieux la Chine, le Cambodge ou des pays enfin, du sud-est asiatique. Donc si je dis volontairement, je ne vais pas m'occuper de tous ces sujets liés à ces pays-là, j'avais demandé par exemple une mission sur l'ASEAN dès fin 2017-2018. Parce que j'estime que l'ASEAN est important pour la France. C'est un bloc économique très important que nous ignorons, on ne travaille pas. Et je soutiens à 100% la stratégie du président de mettre en valeur l'axe Indo-Pacifique. Parce que pour moi, c'est une zone très importante qui n'est pas étudiée, valorisée, travaillée à sa juste valeur. Bon. Je dois me dire que ah non, je ne dois pas être dans ces pays-là, en tout cas travailler avec ces pays étrangers, comme vous dites, parce que je les connais mieux ou parce que j'ai des contacts, etc., c'est contre-productif. Ça veut dire que le Cambodge que je connais un peu mieux, je ne dois pas avoir de contacts, je ne dois pas être dans le groupe d'amitié, je ne dois pas faire de délégation parlementaire pour essayer justement de faire avancer des choses. J'ai beaucoup poussé, par exemple, pour l'enseignement du français. Et j'ai pris exemple sur les écoles françaises installées en Asie. Dans ce cas, je ne parle pas de ces pays parce que je les connais mieux. Je pense qu'il y a un problème. J'entends, hein, évidemment, qu'il ne faut pas... si je devais, par exemple, demain, utiliser mon mandat de parlementaire pour négocier un contrat pour moi, etc., évidemment, là, il y a un vrai problème. Ce n'est pas le cas. Donc, après... Je ne sais pas comment. Je pense qu'on a un vrai souci, c'est que c'est comme pour les lobbies. Moi, j'ai eu le cas. On s'est posé la question quand on était sur les sujets en tant que parlementaire. On nous dit attention, les lobbyistes, etc. Bon. Mais dans la pratique, c'est souvent les lobbyistes qui nous décortiquent les problèmes qui existent dans telle filière ou telle de. Vous voyez. On peut. Il faut. Faire attention à ne pas être influencé sur les choix que nous faisons, mais on ne peut pas dire on ne parle pas aux lobbyistes. Vous voyez ? Oui, et si, enfin, ça rejoint un petit peu votre... moi, j'entends qu'aujourd'hui, on n'a pas, évidemment, on a les mêmes intérêts. On a d'ailleurs en concurrence ou en conflit sur les secteurs... industriel, automobile, les batteries, etc. Et d'ailleurs, j'avais proposé avant qu'il y ait toute cette histoire-là qu'on relocalise cette production en France. À l'époque, ça n'avait pas parlé à grand monde. Aujourd'hui, apparemment, tout le monde veut tout relocaliser. Bon. Mais je pense que c'est une démarche pour l'intérêt de la France qu'il faut qu'on mène sur le long terme. J'ai proposé aussi, et ça n'a pas été voté, par exemple, que tous les échanges pour les groupes français doivent se faire au moins à 30% en euros. Je trouve anormal que quand un groupe français vend à un autre pays européen, que les échanges se fassent en dollars. Oui. Tout ça, ça participe en fait de l'autonomie et puis de l'indépendance française. Mais peut-être ce sujet-là, dans quelques mois, quelques années, ça va revenir. Mais l'histoire de relocaliser les productions, j'avais proposé, on en a parlé, mais ça ne parlait pas aux gens. Oui. Donc aujourd'hui, non, franchement, je pense pas. Je suis conscient du problème et je pense pas qu'on ait eu un mélange des genres. La dernière observation que m'inspire la réponse que vous avez apportée à Madame la rapporteure, c'est finalement, est-ce que vous êtes, Monsieur Tan, est-ce que vous n'êtes pas un peu dépassé
par l'évolution elle-même de la Chine. C'est-à-dire que tout ce que les réflexions que vous partagez avec nous me rappellent beaucoup ce que j'entendais lors de mes études, qui malheureusement commencent à dater. C'est-à-dire la vision d'un pays, voilà, usine du monde, avec qui on doit faire, mais qui n'aurait pas de stratégie d'influence particulière, stratégie d'ingérence particulière, stratégie que Madame la rapporteure vous a évoquée notamment en mentionnant le rapport, qu'on a plusieurs fois essayé de mentionner. Et je ne sens pas dans votre façon d'aborder les choses, même la façon tout à l'heure dont vous avez dit oui, j'ai sensibilisé mes collègues un peu au risque qu'il peut y avoir par rapport au matériel en Chine, au téléphone, comme si c'était un petit risque, comme si effectivement un risque qui pourrait exister au Cambodge, au Vietnam, en Corée, enfin dans n'importe quel pays, qui certes a, comme toute puissance étrangère, des intérêts à défendre et une stratégie, mais qui n'a pas la puissance et la volonté de puissance, pour ne pas dire autre chose, impérialiste, de la Chine. Et comme si la puissance du Cambodge, même s'il respecte toute nation, en particulier le Cambodge, pour qui on a beaucoup d'entre nous une affection particulière, c'est pas du, on peut pas comparer ce que fait le Cambodge et ce que fait la Chine. Et dans de manière, maintenant on est ensemble depuis plus de deux heures, je ne sens pas comme même de quand vous parlez de 2013 à 2019 aujourd'hui, je vous ai parlé de l'évolution, par exemple, de la personnalité de Monsieur Xi Jinping, on ne sent pas dans votre analyse de changement d'attitude par rapport au changement d'échelle de la stratégie chinoise. Et on a l'impression que vous nous répondez aujourd'hui comme vous nous auriez répondu il y a 10 ans. Alors, d'abord, très clairement, au contraire, c'est-à-dire que non seulement je partage ce que vous dites, mais je dois recommander dans le rapport de la mission d'information, je dis bien que la Chine, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est coordonner. Il y a une stratégie à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Alors que nous réagissons, nous, au petit peu dans la chance, en fonction des élections, en fonction des problèmes qu'on rencontre, en fonction d'une pénurie. Vous voyez, on n'a pas une stratégie. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai préconisé dans le rapport. J'ai dit qu'il faut absolument qu'on se dote, nous, d'une stratégie à moyen, voire long terme, face à des puissances comme la Chine, parce qu'avec notre mode de fonctionnement, on ne peut pas y arriver. Deuxième point que j'ai soulevé dans le rapport, c'est qu'on a un décalage de temps qui est énorme. Une mesure européenne, pour qu'elle soit appliquée, 8 ans. Bon. La Chine est capable de changer de loi tous les 6 mois. Donc on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes armes. Il faut qu'on fasse mieux là-dessus. Bon. J'avais dit également qu'au niveau de la stratégie globale, ils ont les moyens de faire tout partout en même temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent en fait augmenter leur influence en Afrique, augmenter leur influence en Asie du Sud-Est, etc. Ce que nous n'avons pas. On n'a pas les moyens de tout faire en même temps. Donc il faut qu'on mette les moyens sur quelques axes, mais qu'on les mette sur la durée. Donc si, au contraire, et pour répondre à votre deuxième partie de question, donc pour la première partie, contrairement à ce que vous pensez, non seulement je suis conscient qu'il y a un problème, mais j'ai proposé justement qu'on apporte des solutions. Dans la mission d'information également, il y a un point qui est ressorti, qui pour moi est important également. Nous ne sommes pas équipés aujourd'hui, en termes de chercheurs, en termes de rédacteurs, etc., suffisamment équipés en tout cas pour faire face aux enjeux que représente la Chine. Vous avez aujourd'hui des équipes bien plus importantes en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis pour étudier la Chine, qui est un enjeu important. Et nous n'avons pas. On avait rencontré par exemple le directeur de Merix, qui est pour moi un exemple à suivre. Il faut qu'on arrive en fait à avoir des gens qui soient plus professionnels, qui soient bilingues en chinois pour pouvoir justement travailler sur des textes en chinois et pas des traductions en anglais, etc., etc. Donc ça, c'est des outils dont on a besoin. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, oui, je le constate et je l'ai dit, il y a un durcissement depuis en fait l'arrivée du président Xi. Avant, quand on avait des soucis, des échanges, des sujets, etc., ça se solutionnait beaucoup plus souplement. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des fois, quand on n'est pas d'accord sur un texte, par exemple, avant, il était, ben non, on n'est pas là-dessus, il faut changer ça, il faut changer ça.
aujourd'hui, ils envoient un texte, ils nous envoient un autre texte. Ils n'ont pas gardé un mot. Et l'impression qu'on en a, c'est que on peut pas discuter. C'est comme ça. Vous voyez, c'est à laisser ou à prendre. Voilà. Et ça, c'est, je dirais que c'est perceptible à tous les niveaux, y compris par exemple pour des entreprises chinoises installées en Chine. Je parle des Chinois, donc même pas nous, ils subissent la même chose. C'est-à-dire que là, on a eu quelques cas un peu retentissants d'Alibaba, par exemple, qui voulait faire coter sa filiale financière. On leur a dit non, point. Voilà. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on a un durcissement du système. Et ça, on le constate, je le constate. Et puis, évidemment que j'approuve ce que vous dites, parce que c'est un constat. Malheureusement, c'est comme ça. Mais il faut que nous fassions ce qu'il faut pour y répondre. Je vous remercie. Madame la rapporteure, je vous remercie. Chers collègues commissaires, Monsieur Tan, je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à notre audition, pour les réponses que vous avez apporté. Je remercie évidemment l'administration pour l'organisation des auditions du jour. Je vous rappelle que nous aurons des auditions la semaine prochaine. Poursuivons nos travaux. Et bah, écoutez, la séance est tout simplement levée.